Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. Soyez les bienvenus. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ce soir pour cette présentation de saison. Que vous soyez un habitué fidèle du tandem, de nos salles, ou que vous découvriez nos activités pour la première fois, vous êtes vraiment les bienvenus et nous sommes ravis de partager avec vous cette deuxième soirée de lancement de saison. Ces rendez-vous de septembre sont très importants pour nous et je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité. J'en profite ici pour exprimer ma gratitude dans ce contexte économique un peu compliqué pour le soutien de nos partenaires publics et ce qui nous permet de continuer, de maintenir aussi un cap, de vous émerveiller, de vous surprendre et puis aussi pour encourager une réelle audace artistique. Vous savez, la gouvernance du tandem est assurée par une association loi de 1901, et cette gouvernance est représentée par un conseil d'administration constitué de personnes bénévoles, dynamiques et bienveillantes. Et ce soir, je voulais les remercier très chaleureusement, et sur cet écran, vous pouvez lire le nom de ces personnes. Et je suis heureux de retrouver également ce soir notre chère présidente, Janine Richardson, que je remercie pour son engagement indéfectible à nos côtés. Notre président délégué, Jacques Meurette, n'a pas pu être présent ce soir. Voilà, et comme pour la saison précédente, nous avons choisi de faire un lancement deux saisons en deux temps. La première soirée a eu lieu à Arras, donc c'était vendredi dernier, et vous avez peut-être pu découvrir le spectacle Pigment. Ce fut un moment particulièrement fort sur la Grand Place, devant environ 5000 personnes. Au cours de cette deuxième soirée sur Douai, nous allons faire autre chose. Nous allons présenter chaque spectacle et nous allons vous proposer des extraits vidéo, des extraits sonores et des images. Avant d'aller plus loin, je vous présente Priscille Broda et David Lobry, qui vont traduire cette présentation en langue des signes française. Nous allons également partager cette soirée un peu en décalé sur les réseaux sociaux. Le but de cette présentation, c'est d'abord de vous donner envie, de vous apporter des clés d'entrée et d'éclairer vos choix. Voici, pour commencer, quelques chiffres concernant cette saison 2023-2024. Ce sont 46 spectacles dont nous allons parler maintenant, qui représentent environ 120 levées de rideaux. Il y a du théâtre, de la danse, de la musique et les arts du cirque sont également présents. 12 projets sont des coproductions du tandem et il y a 27 levées de rideaux qui sont consacrées pour le jeune public. Les musiques donnent lieu à des rendez-vous qui croisent les répertoires avec des interprètes très talentueux. Et vous retrouvez également les multipistes en décembre et en janvier consacrés aux arts du cirque. Il y aura également des spectacles décentralisés qui iront à la rencontre des communes de l'Arrajois et du Douaisis. Pour vous présenter la saison, nous allons suivre la chronologie de la plaquette de saison. Et c'est à six voix que nous allons présenter cette saison. Avec à ma droite, Aude Tortuo, conseillère musicale. Jérémy Portemont, chargé des relations publiques. À ma gauche, Fabien Hénoc, notre secrétaire général. Justine Duché et Simon Bastien, tous les deux chargés des relations publiques. Voilà, et comme tous les ans, au milieu de cette présentation, Christophe Dutoit, programmateur cinéma du Tandem, nous rejoindra pour nous parler cinéma. Il y aura ensuite un rapide changement de plateau. Marie et Renil nous rejoindront pour parler de la deuxième partie de saison. Voilà, nous pouvons maintenant commencer à lever le rideau sur cette nouvelle saison. Et notre souhait est de ne pas dépasser 1h45, 2h. Voilà. Donc j'ai un chronomètre, donc je vais essayer d'être le maître du temps. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec de la musique. C'est avec de la musique que nous aurons cette saison, avec Jeanne Adède. Et ce sera le mardi 3 octobre. Alors, notez bien le mardi 3 octobre, parce que sur la plaquette, c'est noté le 5 octobre.
Et en fait, la production nous a appelé en urgence. Et en fait, il y a une émission, une emblématique émission de musique française qui s'appelle Taratata. Je pense que vous connaissez cette émission. Et en fait, Taratata va fêter son 30e anniversaire cette année. Et Jeanne Hadet donc, a été conviée à un enregistrement précisément le 5 octobre, qui était la date qu'on avait calée. Donc voilà, donc notez bien le 3 octobre. Jeanne Hadet, c'est une artiste qu'on ne présente plus, qui est souvent très louée pour son univers musical, pour sa voix, et aussi pour ses performances scéniques. Et nous avons accueilli Jeanne Hadet à chaque fois, au rythme de la sortie de ses albums. Et le troisième album s'intitule « By Your Side, à tes côtés ». Et c'est un album très personnel qu'elle a écrit pendant la pandémie. Et sur le plateau, elle est accompagnée par 6 musiciens et je vous propose d'écouter, de regarder des images. Et le lendemain, donc le 4 octobre, nous vous proposerons toujours de la musique. Ce sera un spectacle d'opéra dans la salle à l'italienne à Arras. Il s'agit de l'Orfeo du compositeur Antonio Sartorio. Oui, c'est un double événement pour ouvrir cette saison en musique classique. Un opéra qui n'a jamais été créé ni joué en France. Et le deuxième événement, c'est que cet opéra dans la fosse sera dirigé par Philippe Jarouski. Philippe Jarouski, immense contre-ténor qu'on a déjà eu la joie d'accueillir à Arras et qui, en parallèle de sa carrière de chanteur, a créé son propre ensemble. Donc, c'est lui qui a souhaité monter cet opéra, lui qui connaît par cœur ce répertoire. Et qu'est-ce qui l'a intéressé dans cet Orfeo de Sartorio? Vous savez que le mythe d'Orphée a énormément influencé les compositeurs du XVIe siècle et du XVIIe, que ce soit Monteverdi, dont on considère que l'Orfeo est un des premiers opéras de l'histoire de la musique occidentale, à Gluck, un siècle plus tard. Eh bien, Sartorio, en 1672, à Venise, crée cet Orfeo-là. Et Philippe Jarouski souligne à quel point cette musique est à la croisée des chemins entre le début de l'opéra de Monteverdi et ce qui va donner ensuite l'opéra seria, qui alterne des airs et des récitatifs et des airs et des récitatifs. Et ce qu'il trouve absolument incroyable et d'une modernité folle, c'est qu'on retrouve l'atmosphère qui régnait à Venise en 1672. Il y avait une liberté de ton, une liberté de création, une effervescence qui était incroyable. Et pour cet Orfeo, par exemple, le livret a pris de grandes libertés avec le mythe. Il en fait un Orfeo très noir, jaloux, narcissique, possessif, qui même cherche à tuer Eurydice. Et en face, vous avez deux femmes, Eurydice et sa servante, extrêmement solidaires, très fortes. Donc ça, c'est déjà d'une très grande modernité. Et la musique, vous retrouvez une musique riche, colorée et en même temps poignante. Ne manquez pas l'air de la mort d'Eurydice, qui est absolument sublime. Et donc, sur scène, vous aurez une dizaine de jeunes solistes. Ce sont des jeunes chanteurs que Jarouski a auditionnés, a formés. Et c'est vraiment la génération des grands chanteurs de demain. Donc, Orfeo d'Antonio Sartorio, le 4 octobre à Arras. Voilà, et donc après ce premier très beau rendez-vous musical, nous aurons un rendez-vous avec la danse, avec Zona Franca de la chorégraphe brésilienne Alice Ripoll, et c'est une coproduction du Tandem. Oui, pour découvrir cette première proposition danse de la saison, on aura donc Zona Franca, une création qui est très marquée par le contexte politique du Brésil. Voilà, le propos de la chorégraphe, c'est vraiment de montrer comment les 4 années du régime Bolsonaro ont vraiment accru les tensions et les inégalités sociales, et comment l'arrivée de Lula au pouvoir a créé vraiment plutôt une renaissance, en tout cas un élan d'espoir. Pour faire vivre cet espace et cette quête de liberté, Alice Ripoll, elle fait appel à 10 interprètes,
qui mêle recherche vocale et théâtrale, mais surtout des danses, de multiples danses aux esthétiques et aux influences très diverses, de la danse contact, également de la danse populaire du nord, du nord-est du Brésil, mais aussi du hip-hop, de la samba ou encore du voguing. Donc Zona Franca, ce sera vraiment une réflexion politique et une découverte poétique qui nous fera vivre des émotions fortes, la colère, la vulnérabilité, mais aussi l'espoir de cette génération qui veut se réinventer aujourd'hui. Ensuite, nous aurons un premier rendez-vous avec le théâtre, toujours des artistes d'Amérique du Sud, mais cette fois c'est l'Argentine, avec un spectacle intitulé « La Obra ». Donc en français ça veut dire l'œuvre, l'ouvrage, et c'est un travail, très beau travail, du metteur en scène argentin Mariano Pensotti. Et donc la obra peut signifier également la pièce, et en fait là c'est à une double pièce que Mariano Pensotti nous invite, puisqu'il s'agit d'une mise en abîme, en fait il montre une pièce dans une pièce sur scène. Cette pièce, eh ben, c'est l'histoire en fait, de Simon Frank, qui est un juif polonais qui est le seul survivant de sa famille des camps de concentration. Et il s'exile en Argentine à partir du début des années 60. Malgré cet exil, il n'oublie pas du tout son sombre passé et il reconstruit peu à peu sa vie d'avant la guerre, en fait, en reconstituant, avec un décor de théâtre, sa maison de Varsovie. Et à chacun de ses anniversaires, il y joue une pièce de théâtre qui est un monologue. Les habitants de la ville dans laquelle il se trouve, Coronel Suarez, entrent dans le projet petit à petit, s'y intéressent, décident eux aussi de monter sur les planches et donc participent. Le décor s'étoffe, des quartiers entiers de Varsovie sortent de terre. La pièce prend de plus en plus d'ampleur et vue par de plus en plus de personnes, jusqu'à ce qu'une révélation bouleversante, que je ne vais pas vous donner ce soir, bouscule complètement l'effet bien établi et créé par Simon Frank. Et Mariano Pensotti, ce qu'il fait, c'est qu'il va retrouver les personnes qui ont travaillé avec, avec Simon Frank et il les convoque sur scène pour qu'ils nous racontent leur version de l'histoire. La pièce sera jouée dans un dispositif circulaire, comme vous pouvez le voir ici, avec des éléments de décor qui ont vraiment servi à la reconstruction de Varsovie au niveau de Coronel Suarez. Ce spectacle sera adossé à un ciné-droit qui s'appelle La Conférence et qui a pour thème la conférence de Wannsee lors de laquelle les nazis décidèrent de la solution finale. Notre programmateur cinéma, Christophe Dutoit, vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, et on va quitter après l'Amérique du Sud et nous retrouverons après les vacances de la Toussaint. Un artiste habitué des plateaux du Tandem, il s'agit de Vincent Macken. Vincent Macken que vous avez aussi l'occasion de croiser au cinéma, soit comme interprète, soit comme réalisateur. Et en fait, il est en train de monter, les répétitions sont commencées, un Richard III de Shakespeare. C'est d'après Shakespeare, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement des aménagements dans le texte. Et il intitule son spectacle Avant la terreur, et c'est une coproduction du Tandem. Voilà, donc comme Gilbert vous l'a dit, Vincent Macken est bien connu au cinéma, plutôt pour des personnages ordinaires, dans des registres assez quotidiens, où il joue des personnages lunaires, un peu touchants. Au cinéma, c'est un Vincent Macken, et au théâtre, c'est un autre Vincent Macken qui aime la démesure, la folie. Il revendique de faire des spectacles qui sortent les gens de leur ordinaire pour éviter qu'aller au théâtre devienne quelque chose de banal. Donc il assume totalement de faire des spectacles feux d'artifice. Ceux qui ont vu Au moins j'aurais laissé un beau cadavre, l'adaptation qu'il y a fait une dizaine d'années d'Hamlet, se souviennent sans doute d'un spectacle assez peu ordinaire. Donc le spectacle est en création, il y aura beaucoup de surprises à venir. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura 8 comédiens, des enfants au plateau, et que Vincent Macken promet un spectacle hyper brut, sans décor narratif, mais avec beaucoup d'accessoires, des armes à feu, etc. Donc Richard III, qui est la pièce centrale de cette adaptation, qui croise d'autres textes, comme Henri IV, par exemple, est resté dans les mémoires comme un personnage machiavélique, un tyran sanguinaire, mais sa légende a été écrite par les Tudors qui l'ont justement chassé du pouvoir, Tudors qui régnaient encore quand Shakespeare a créé la légende qui nous est proposée. Et effectivement, Richard III est arrivé au pouvoir dans des circonstances particulières. Il a supprimé tous les héritiers qui étaient en ordre de succession avant lui, ses frères, ses neveux, y compris des enfants. Donc il y avait là un beau canevas pour une tragédie. Mais Vincent Macken choisit de ne pas faire de son Richard un être calculateur et pervers.
il préfère en faire une sorte d'arriviste, quelqu'un qui se laisse porter par l'ambiance, l'ambiance où règne la bêtise, dans un monde où les inepties tiennent lieu de vérité. Donc c'est un enfant dévoyé, il y a une partie vraiment enfantine, voire infantile dans ce personnage, qui se laisse emporter par le groupe, et le but de ce groupe, c'est prendre la couronne d'Angleterre, donc il joue le jeu comme tout le monde. C'est plutôt donc vers Uburoi que vers le prince de Machiavel que penchera avant la terreur. Et Vincent Macken fera de son Richard III, je cite, non pas un héros romantique, sanguinaire mais fascinant, mais une sorte d'énermidio, un débile qui fait à peu près n'importe quoi, un Trump peut-être. Donc c'est une adaptation qui parlera, hélas, de notre époque. J'en profite pour faire une petite annonce pour la production qui cherche une ou deux fillettes d'environ 10 ans, même elles peuvent faire un peu plus jeunes, qui savent jouer et chanter, qui ne doivent pas faire plus d'1m30. Donc voilà, les critères sont bien précis. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est intéressé, vous pouvez nous contacter dès la fin de cette présentation ou dans les jours et les semaines qui viennent. Et on vous expliquera tout. Rémy Girardin vous expliquera ce qu'on attend de ces jeunes filles qui joueront dans des conditions parfaitement sécures. On continue donc avec toujours du théâtre les 14 et 15 novembre avec un spectacle qui s'intitule Corps Premier et c'est une mise en scène de Cédric Orin. C'est également une coproduction du Tandem. Donc Corps Premier, c'est le nouveau spectacle de Cédric Orin qui est un habitué de nos plateaux et qui pour ce spectacle s'est notamment inspiré de figures importantes qui ont marqué l'histoire comme Dick Fosbury ou encore Antonin Panenka. Si vous ne connaissez pas ces noms-là, c'est normal, ou en tout cas, c'est pas grave, parce que ce ne sont pas des metteurs en scène. Il a voulu, en tout cas, s'inspirer de sportifs qui ont marqué l'histoire. Donc, je vais reprendre l'exemple de Dick Fosbury, qui est un athlète faisant du saut en hauteur, qui a concouru au JO de 68, et qui a étonné tout le monde, puisque au moment de s'élancer pour le saut en hauteur, il a tout simplement utilisé une autre technique qu'on n'avait jamais vue, qui était celle d'enrouler son dos autour de la perche, enfin, en tout cas, en essayant de passer au-dessus. Et à l'époque, ça a beaucoup marqué les esprits, que ce soit les spectateurs ou les médias, parce que c'était une technique assez peu commune et qui s'est révélée, pour le coup, très efficace. À travers ce spectacle-là, Cédric Orin va donc essayer, à travers ces quelques exemples, de relater comment on est un champion, comment, dans le sport, on arrive à se renouveler et aussi à créer l'impossible, que ce soit voulu ou non, en renouvelant nos gestes. Donc pour ça, au plateau, on retrouvera une contorsionniste et deux comédiens, avec la contorsionniste qui aura pour rôle de vraiment donner un petit peu de mouvement au-delà du texte de Corps Premier et de vraiment mettre en lumière ces moments où les corps ont pris un petit peu le dessus sur l'histoire et ont su étonner tout le monde. On continue avec du théâtre, donc beaucoup de théâtre sur ce mois de novembre. Les 16 et 17, nous accueillons une metteuse en scène que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'accueillir et qui occupe pourtant une place important dans le paysage théâtral français. Et elle a été nommée il y a pas très longtemps à la direction du TNS, le Théâtre National de Strasbourg, donc une structure très importante pour la création théâtrale. Il s'agit de Caroline Guélan-Guyen avec son très beau spectacle Saïgon. On regarde des images. Je reviens te chercher, je savais que tu m'entendais. Des larmes, vous avez parlé pendant 40 minutes, vous parliez de quoi? Dis-lui qu'il ne faut pas qu'elle pleure. Parce que je serai toujours auprès d'elle. Excusez-moi. Flip, Gonta. Donc Saïgon, c'est un spectacle qui a été créé il y a 6 ans par donc, la directrice du Théâtre National de Strasbourg, qui est directrice depuis décembre 2022. Donc Caroline Guélan-Guyen, dans ce spectacle, s'intéresse en fait à une partie de sa propre histoire, puisqu'il s'agit d'une fresque théâtrale autour des destins d'exilés de l'après-guerre d'Indochine. Donc on croise dans un restaurant de Saïgon, la ville qui porte désormais le nom d'Ho Chi Minh Ville,
Donc on croise des gens dans un restaurant de Saïgon, puis on croise ces mêmes personnes dans un restaurant qui s'appelle Saïgon à Paris, donc il y en a des dizaines, vous pouvez vérifier. Et donc on croise à la fois deux lieux et surtout deux époques, puisque donc l'œuvre s'intéresse à la fois donc à l'immédiat de l'après-guerre d'Indochine, donc en 1956, et puis l'époque de 1996, où on croise donc des personnages qui ont fui l'Indochine pour différentes raisons. Donc on voit dans ce restaurant évoluer notamment Édouard et Lynn, donc un couple binational qui vit le choc d'un retour en France et ses désillusions, le racisme, le fait qu'on ne comprenne pas très bien ce qu'a été l'entreprise coloniale en Indochine pour Édouard, qui est un militaire français. Et puis en 1996, leur fils Antoine, il essaye, en discutant avec sa mère Lynn, de comprendre un petit peu ce que c'est que ce passé qu'elle essaye de lui cacher. Ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est que la vision n'est pas du tout manichéenne, on n'est pas du tout en présence de personnages caricaturaux, de personnages qui n'ont qu'une facette. L'idée, c'est vraiment plutôt de montrer comment est-ce que la grande histoire bouscule les destins personnels, les percute et puis les fait devenir des choses complètement différentes de ce qui était prévu. Dans ce décor très réaliste que vous avez vu, Caroline Guéla-Nguyen convoque plein de techniques du cinéma, la voix off, la bande originale, la musique hors cadre, pour donner à voir ce grand spectacle de théâtre. Du théâtre encore, toujours en novembre, mais cette fois pour les tout-petits, à partir d'un an. Il s'agit de Baby Macbeth, d'après Shakespeare, avec Agnès Limbaud et sa compagnie belge, Gare Centrale. On regarde des images. Welcome, my dear fellows, to the United Nations Shakespearean Congress. Did you have a nice journey? Did you went through the moving forest and through the mountains? First tragedy. A huge forest. Macbeth. Once the crown. Do you want the crown? Do you want the crown? Ophelia, no. Do you want the crown? Oh! You want the crown? Do you want the crown, Alice? You want the crown? Shakespeare. And now, a very nice comedy. Romeo and Juliet. Baby Macbeth, c'est donc une réinterprétation très libre des classiques de Shakespeare. Roméo et Juliette, Songe d'une nuit d'été, Macbeth, comme le titre l'indique, le tout en vieil anglais. Pendant 25 minutes, on a un enchaînement de scénettes qui sont un savant mélange entre théâtre d'acteurs, puisqu'Agnès Limbaud est hyper expressive, elle incarne vraiment ses histoires, et un théâtre d'objets avec beaucoup de petites manipulations. Le tout est accompagné également au piano. Voilà, ça vient rythmer la narration en revisitant des classiques. On aura donc un spectacle qui va plaire autant aux adultes qui vont vraiment avoir le plaisir de la découverte, de la redécouverte de ces intrigues qui sont ici teintées d'humour, et aux bébés qui plongent véritablement dans un univers poétique et très, très ludique. Voilà, et toujours sur ce spectacle, en Belgique, il y a un prix qui s'appelle le prix de la critique, et qui est un prix vraiment très, très important. Et en fait, ce spectacle a eu le prix de la critique en 2018. Donc, c'est une très, très belle récompense. On continue pour aller jusqu'au bout de ce mois de novembre avec du théâtre. Le jeudi 30 et le vendredi 1er décembre, avec le spectacle Péplum, Péplum médiéval, qui est le nouvel opus d'Olivier Martin Salvant, qu'on avait déjà eu l'occasion d'accueillir avec un Ubu. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Et c'est une coproduction du Tandem. Donc effectivement, on a accueilli déjà un Ubu de Olivier Martin Salvant, mais pour les spectateurs un peu plus récents, vous n'avez sans doute pas oublié Les Gros Patinent Bien, que nous avons accueilli l'année dernière en décentralisation. Péplum médiéval est donc une nouvelle production XXL d'Olivier Martin Salvant. Son point de départ, c'est de casser les préjugés sur le Moyen-Âge, qui aurait été une époque noire, boueuse, inculte, et puis soumise aux intérêts de la religion. L'idée, là, c'est vraiment d'en montrer les aspects plutôt festifs, colorés et joyeux.
C'est une production XXL puisque Olivier Martin-Salvant fait appel à l'auteur Valérian Guillaume. Il fait aussi appel à des artistes plasticiens qui s'appellent Petit Pierre et Cléda. C'est eux notamment qui ont confectionné ces superbes pyjamas squelettes et colorés que vous voyez derrière moi. Il y aura aussi de la danse puisque la chorégraphe Anarita Teodoro a également été invitée. Et puis sur scène, des fortifications qui sont à une échelle bien particulière, puisque l'idée d'Olivier Martin-Salvant, c'est de s'inspirer notamment des peintures de fête du flamand Bruegel l'Ancien. Et à cette époque du Moyen-Âge, la peinture représente les éléments selon leur importance et pas selon les proportions. Donc si vous prêtez attention à certaines peintures médiévales, en fait, les châteaux paraissent très petits par rapport aux personnes qui sont censées les habiter. Et bien là, c'est l'idée de recréer ça sur scène. L'idée, ça va être aussi de rappeler les danses macabres donc, qu'on voit dans un certain nombre de cimetières en Europe. Et puis surtout, ce spectacle, c'est une grande invitation à la collectivité et puis à la fête pour tous, puisque la moitié des comédiens présents sur scène, donc il y en a 15, donc la moitié viennent de la compagnie Catalyse, qui a la particularité de travailler uniquement avec des artistes en situation de handicap mental. Et pour certains, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont dans cette compagnie Catalyse. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre ce spectacle le plus accessible possible. Et pour ça, il sera également proposé en audiodescription pour le public aveugle et malvoyant. Voilà, on ouvrira ensuite les multipistes, le temps fort consacré aux arts du cirque, avec une proposition assez singulière, assez étonnante, qui sera présentée hors les murs, dans le cadre de nos rendez-vous chez vous, le 8 et le 9 décembre. Et en fait, il s'agit d'un spectacle intitulé « Mouton noir » et c'est du football freestyle. Et en fait, c'est une coproduction du Tandem. Je vous propose de regarder les images, comme ça vous allez voir de quoi il s'agit. Et après, Simon nous en dira quelques mots. Alors, Mouton Noir, c'est une forme de spectacle toute particulière, puisqu'on est vraiment sur un spectacle qui est en solo, à mi-chemin entre le cirque et la danse, avec un agrès bien particulier, qui est en fait un ballon de football. Donc, Paul Molina, l'interprète que vous pouvez voir sur la vidéo, se débrouille très bien avec un ballon et a du coup décidé de créer un spectacle autour du football freestyle. Donc, le football freestyle, tout simplement, c'est un dérivé du football qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec le football, puisque c'est tout simplement l'art de faire des jongles et d'utiliser son corps afin de jongler avec le ballon de manière impressionnante et réaliser quelques figures autour de ça, un peu comme si le ballon était un prolongement du corps. Donc son histoire, elle est toute singulière puisque ce spectacle, ça part d'une rencontre avec le directeur d'une scène nationale, celle de Châteauroux qui s'appelle l'Equinox, puisque Paul Molina jonglait devant le théâtre et un jour le directeur est venu à sa rencontre pour lui demander tout simplement d'où lui venait son envie de faire ça et s'il s'était beaucoup entraîné pour réussir à faire toutes ces figures. Et s'en est suivi l'envie de créer une forme artistique. Donc au début, Paul Molina était assez réticent, puis finalement il s'est laissé convaincre. Et avec l'aide de plusieurs artistes, ils en sont venus à créer donc, plusieurs petites formes, ce qui a finalement donné Mouton Noir et ce spectacle un petit peu particulier. Donc on est vraiment sur une démonstration technique avec quelques parties un peu plus chorégraphiques, mais il y a aussi une dimension sentimentale assez forte, puisque Mouton Noir, c'est l'histoire de quelqu'un qui fait des jongles avec un ballon de football, mais aussi l'histoire de quelqu'un qui avait une vie tout à fait différente avant, puisque Paul Molina a fait une école de commerce et travaillé dans le marketing à Madrid, donc il avait une vie plutôt confortable, et a décidé du jour au lendemain de devenir artiste. Donc Mouton Noir raconte aussi une histoire d'une personne passionnée qui finalement choisit de se lancer un peu les deux pieds dans le vide pour devenir un artiste. Et on sait tous que ce n'est pas forcément facile de changer de vie comme ça du jour au lendemain. Voilà, donc si ça vous tente, si vous avez envie de faire un peu de football freestyle et que vous n'avez pas fait une école de commerce, il y a un atelier d'initiation qui sera présenté. Je vous renvoie à la plaquette de saison.
On continue toujours dans le cadre des multipistes. Nous accueillons les 8, 9, 11, 12 et 13 décembre le spectacle Foraine, qui est le dernier travail de Jeanne Mordoge. Et c'est une coproduction du Tandem. Oui, Jeanne Mordoge avec la compagnie BAL, une compagnie qui s'intéresse particulièrement à l'univers forain, qu'elle affectionne particulièrement pour sa dimension populaire. Jeanne Mordoge, ici, elle s'inspire des montreurs ambulants de curiosité qui allaient de ville en ville pour donner à voir des choses étranges, des choses, mais aussi des êtres humains qu'on exposait parce qu'ils avaient des caractéristiques physiques, disons, inhabituelles. Je pense par exemple à des siamois, des hommes ou des femmes troncs, des femmes à barbe. Voilà, Jeanne Mordoge, elle s'en sert avec ce spectacle et elle souhaite vraiment créer une sensation d'étrangeté, venir susciter notre étonnement également et se demander ce qui est concevable, ce qui ne l'est pas, notamment à travers la figure du monstre. Qu'est-ce que le monstre a de différent de nous, mais aussi de semblable ? Elle sera accompagnée, Jeanne Mordoge, dans ce spectacle, d'un clown et d'un acrobate, et elle utilisera un dispositif scénique très original, puisqu'on aura sur cette scène de la salle Malraux une grande bulle carrée blanche, et tout autour, elle installera ce qu'elle appelait des entresorts. Voilà, ce sera autant de petits numéros dans lesquels on pourra déambuler, parfois guidé par Jeanne Mordoge, mais aussi parfois livré à nous-mêmes. Donc on aura vraiment une expérience sensorielle, corporelle, qui sera à la fois fascinante et aussi déroutante. On continue dans les Arts du Cirque, toujours une coproduction du Tandem, les 14, 15 et 16 décembre, avec un spectacle qui s'intitule Les Fauves, de la compagnie EA EO, et ce sera sous chapiteau sur la place du Barlet, c'est-à-dire la grande place qui est devant l'hippodrome. Voilà. Donc le spectacle Les Fauves se passe dans un chapiteau qui est en fait une bulle gonflable, qui va ressembler sur la place du Barlet à une espèce de grand vaisseau spatial qui se posera pour quelques jours pendant les multipistes. Donc la structure a été imaginée par un collectif d'architectes qui s'appelle Dynamorph, et la structure en elle-même est vraiment une œuvre d'art immersive, mais on vous invite à un spectacle. Donc on entre dans cette bulle, et comme dans les cirques traditionnels, on commence par en visiter la ménagerie. Mais dans cette ménagerie, il n'y a pas d'animaux, il y a les fauves qui vous y attendent. Ce sont des artistes de cirque qui sont piégés dans des cages de verre et qui seront des bêtes de foire cette soirée-là. Donc pour la première partie du spectacle, les spectateurs se promènent comme dans un musée entre ces cages de verre et ils assistent à 5 solos de cirque, 5 performances parallèles et simultanées. Du jonglage immergé, du jonglage aérien, du jonglage avec les pieds. Tout cela dans une musique vive et entraînante pour compléter la réinvention contemporaine des codes du cirque familial. Dans la deuxième partie du spectacle, les spectateurs se positionnent autour de la piste et là, on va assister à un véritable marathon complètement fou. Sur un fond de musique pop-rock, la représentation devient vraiment une fête de la jonglerie, à la fois ludique et expérimentale. Ça sera dans une frénésie vraiment pendant 45 minutes, une succession de numéros qui s'entrecroisent, se succèdent avec des lumières colorées extrêmement séduisantes. Et le spectacle se veut une célébration de la répétition du geste circassien, une célébration de l'endurance, parfois de l'acharnement, et c'est aussi une célébration de l'impermanence. Donc la compagnie EAEO propose ce qu'elle appelle un combat contre la gravité et l'oubli. Et venez-y sans crainte, puisqu'à la fin, normalement, le combat est gagné. Tout va bien. Voilà, et nous arriverons ensuite le 20 et le 21 décembre, juste avant les vacances de Noël. Ce sera notre dernier rendez-vous de l'année 2023. Et nous sommes particulièrement heureux d'accueillir, dans le cadre d'une tournée internationale, une grande compagnie de cirque qui nous vient du Canada. Il s'agit de la compagnie Flip Fabric avec un spectacle intitulé Blizzard. Et je vous propose de regarder des images. Pour la toute fin d'année, on vous propose un spectacle qui est vraiment une bulle de respiration et de positivité avec Blizzard de la compagnie Flip Fabric. Et donc pour le plateau, sur Blizzard, on aura des acrobaties, de la jonglerie, du hula hoop, du trampoline, un petit peu tous les agrès. Et 7 acrobates donc, qui vont soulever une question primordiale, et si l'hiver était éternel. Donc pour répondre un petit peu à cette question, on va avoir toutes sortes de concepts et de choses qui vont être mises en place. Donc c'est un spectacle où il y aura beaucoup d'acrobaties, des mouvements très techniques
et vraiment un très haut niveau technique avec des circassiens au top, mais aussi des petits éléments de scénographie. On a une scénographie assez importante. Vous avez pu voir sur les extraits vidéo, on a un piano, du ukulélé, une petite scène où ils font de la corde à sauter, et cette structure rectangulaire un petit peu étrange où ils vont justement faire quelques acrobaties dedans. Et on peut retrouver cet élément de poudreuse qui fait un petit peu penser à la neige ou à l'hiver. Et l'idée, ça va être un petit peu de suivre ces circassiens, leurs péripéties, leurs moments de joie et aussi leurs moments de tristesse, et de se dire comment justement on peut continuer à vivre, continuer à être de bonne humeur, même si l'hiver devait subsister pour toujours. Donc ça va être l'idée de voir ces sept circassiens s'épanouir, un petit peu comme ces fleurs qui résistent au gel et au froid, qu'on appelle les rhododendrons. Voilà pour les spectacles de cette année 2023, et nous nous retrouvons donc en janvier 2024, plus précisément les 8 et 9 janvier, toujours dans le cadre des multipistes, donc qui se prolongent sur l'année suivante, avec un spectacle intitulé « Faire un tour sur soi-même » de la compagnie La Volte Cirque. Donc, comme son nom l'indique, le spectacle est une célébration du saut périlleux. Mathieu Guéry, qui interprète et a créé le spectacle, ce spectacle seul en scène, est avant tout un acrobate qui s'est formé au Centre national des arts du cirque et qui travaille depuis une vingtaine d'années. Il a souhaité commencer à créer ses propres spectacles et parmi ses thèmes de spectacle, il a envie de raconter, de transmettre sa passion pour l'acrobatie. Et donc, il propose un spectacle conférence qui mêle à la fois autobiographie, une conférence très bien documentée et une démonstration de ces sauts périlleux dont il nous parle. Donc il y a une bonne part d'autobiographie puisque, comme il le dit, quand on consacre sa vie à faire des tours sur soi-même, on en vient forcément à se demander ce qui nous a amené à ça et on commence à explorer ses propres motivations vis-à-vis de son art. Donc la conférence, ça pourrait paraître un peu austère, mais en fait le spectacle est vraiment drôle, touchant, malin. Il est nourri d'observations et de recherches, d'anecdotes historiques vraiment surprenantes qui retracent l'histoire du saut périlleux sur un ton vraiment léger. On y croise des cartes, Louis XIII, enfin bref. Et donc le spectacle est fait pour être accessible aux plus jeunes. Il a été co-écrit, écrit sous le regard d'Alice Zeniter, qui avait obtenu le prix Goncourt des lycéens en 2017 pour L'art de perdre. Donc faire un tour sur soi-même, c'est une conférence, mais aussi une masterclass de pratique avec des démonstrations parfaitement exécutées. Le spectacle est proposé au tarif unique de 6 euros pour que vous puissiez vous laisser piquer par votre curiosité et y amener tous les jeunes gens qui entendront parler de passion, de vocation et de sport artistique. Voilà, et nous vous proposons un dernier spectacle dans le cadre de ces multipistes. Vous voyez que ces multipistes... Il y a une diversité d'univers artistique, de diversité d'agrès, à la fois des fois une recherche acrobatique, mais en même temps une recherche poétique. Et dans le prolongement de ça, dans un style complètement différent, on accueille Anatomie du désir, du circassien Boris Gibet, que vous aviez peut-être vu sur la place d'Arras, avec l'espèce de structure un peu en tonneau. Et c'est son nouveau spectacle donc, qui s'intitule Anatomie du désir, et c'est une coproduction du Tandem. Alors effectivement, on se souvient l'année dernière du silo de l'absolu installé sur la grande place d'Arras. Boris Gibet aime beaucoup construire des constructions qui, dans lesquelles se jouent ces spectacles. En fait, les deux vont vraiment ensemble. Ici, il nous convoque à nouveau dans un dispositif circulaire qui est créé sur mesure et qui s'appelle le Grand Panopticum Anatomique. Cette construction et ce spectacle sont inspirés des théâtres anatomiques apparus à la Renaissance. À partir du XIXe siècle, on y dissèque plus seulement des cadavres, mais également des statues de cire, des figures de cire, et on y dissèque notamment des cadavres de cire féminins, qu'on appelle les Vénus anatomiques. Cette façon d'utiliser un corps féminin extrêmement bien proportionné, c'est bien sûr une manière de s'intéresser à la science et à la biologie, mais c'est aussi clairement une façon d'avoir un comportement voyeuriste, en fait. Donc l'idée de Boris Gibet, c'est justement de questionner ça. L'entrée dans le spectacle se fait par une dégustation culinaire dans le noir. Au centre du dispositif, un corps de cire dévoile peu à peu ses intérieurs, qui sont sublimés, magnifiés, parfois personnifiés. En tout cas, c'est baroque, c'est cocasse. Et puis le public que l'on voit sur ces images, il est petit à petit interrogé sur sa propre façon de regarder, sur son propre voyeurisme, et il assiste à la renaissance de cette Vénus qui se met à chanter et qui peu à peu se soustrait à sa vue. Voilà, on passera ensuite à la musique,
Donc ce sera dans la salle à l'italienne. Et c'est un grand plaisir d'accueillir le chanteur Albin de la Simone, auteur, compositeur, interprète, qui en 2018 a obtenu une victoire de la musique dans la catégorie meilleur album de l'année avec son album qui s'intitulait L'un de nous. Et là, c'est un nouvel album qui comporte 11 chansons, qui est empreint de douceur et de nostalgie. On écoute la chanson qui a donné le titre à l'album. Qu'est-ce que tu fais ? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais ? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années. Nous enchaînerons ensuite le 18 et 19 janvier avec un rendez-vous sur la danse, pour l'année, premier rendez-vous pour l'année 2024 de la danse, avec un spectacle intitulé Extra Life, et c'est le nouvel opus de la chorégraphe Gisèle Vienne, et c'est une coproduction du Tandem. On aura donc le plaisir de la retrouver, Gisèle Vienne, après les temps qui avaient été accueillis et coproduits par le Tandem assez récemment, également l'occasion de revoir Adèle Haenel sur scène. Dans Extra Life, Gisèle Vienne, elle s'attache à vraiment déconstruire nos systèmes de perception et à démontrer comment les souvenirs, même et surtout les plus traumatiques, les souvenirs qui s'y rattachent, façonnent nos existences et influencent nos trajectoires. On va suivre dans cette pièce un frère et une sœur qui se retrouvent après une nuit de fête et on va comprendre que 20 ans auparavant, ils avaient une relation très fusionnelle et que ce lien qu'ils pensaient indéfectible a été brisé par un drame dans un contexte familial violent. Gisèle Vienne, elle va mêler passé, présent et futur anticipé. Elle va les mêler au code de la science-fiction pour venir troubler le public. Une sensation qui va être amplifiée aussi par la présence d'une marionnette, une marionnette à taille humaine. Et comme toujours avec Gisèle Vienne, on aura vraiment un travail important sur l'ambiance sonore et sur la lumière, notamment avec des lumières laser. Elle va articuler chorégraphie et jeux dramatiques avec des dialogues qui ont été écrits par les interprètes eux-mêmes en grande partie, voilà, pour créer un spectacle qu'elle veut total et fascinant. Voilà, donc après ce spectacle qui est très beau, qui sera très beau visuellement, en même temps avec une certaine gravité, on va passer à un autre spectacle, là complètement un peu à l'opposé, avec une certaine légèreté, très drôle. Voilà, ça c'est le décor sur l'écran. Ça s'intitule Sans tambour et c'est un spectacle du metteur en scène Samuel Achache. Alors là, effectivement, on a affaire à un spectacle de théâtre, de musique rare, vraiment original, par Samuel Achache, qu'on avait déjà accueilli avec sa complice Jeanne Candel. Et là, sur scène, ce que vous venez de voir, c'est qu'il y a eu, juste avant, une mémorable scène de ménage, puisqu'au début, on a une vraie cuisine fermée, et là, vous voyez qu'il ne reste plus rien de la cuisine. Tout a été détruit. Et cette scène inaugurale instaure, vraiment raconte tout du spectacle, c'est-à-dire l'humour, la tendresse, l'absurde, le burlesque. Et donc, c'est le thème de la séparation que Samuel Achache veut traiter. Comment en est-on arrivé là? Et tout le spectacle est construit à partir de scénettes, de flashbacks, et mis en lumière avec ce que vous voyez sur scène, donc 6 ou 7 musiciens et une chanteuse qui, eux, jouent des leaders de Schumann, vraiment
on arrive au maximum du romantisme et dans les poésies utilisées par Schumann et musicalement. Et donc cette mise en regard de ce texte extrêmement drôle et cette musique apporte quelque chose d'assez explosif. Et vous verrez aussi que c'est servi par des comédiens extraordinaires, dont Lionel Drey, qu'on a accueilli ici au Tandem, et qui apporte vraiment une dose de poésie, d'étrangeté, de burlesque qui résume parfaitement le spectacle. Donc tout ça pour vous dire que Samuel Achat, je pense que les histoires d'amour finissent mal en général, mais on peut en rire. Voilà, et puis nous devrions clôturer le mois de janvier avec du théâtre. Je dis bien nous devrions parce que vous avez peut-être vu sur la plaquette de saison Histoire du Théâtre 5, les dates qui sont pour l'instant posées, ce sont celles du 30 et 31 janvier. Et elles restent en attente de confirmation parce qu'on a eu un appel aussi du Ntegan qui produit le spectacle et très probablement ces dates vont bouger. Donc voilà, en tout cas, c'est important de vous en dire quelques mots. C'est le cinquième volet en fait, d'un cycle initié par le Ntegan auquel on participe depuis le début. Et rappelez-vous peut-être du spectacle d'Angelica Lidl et de Mead Warlock, donc qui faisait partie de ce cycle Histoire du théâtre. Et en fait, l'artiste invité pour ce cinquième opus est le metteur en scène anglais Tim Etchell. Donc pour rappel, Histoire du théâtre, c'est un format qui est né de la volonté du metteur en scène Milo Rao, aussi habitué de nos plateaux, de donner la parole à un artiste ou metteur en scène, parfois ça peut être aussi chorégraphe, donc un artiste du spectacle vivant, souvent à renommée internationale, et l'idée ce serait qu'il vienne nous parler un petit peu de son rapport au spectacle vivant, et notamment comment cette personne-là, cet artiste, s'est retrouvé à créer des spectacles et ce qui l'a inspiré, notamment à ses débuts. Donc on retrouve pas mal de similarités par rapport au premier spectacle d'un ou d'une metteuse en scène dans ces propositions-là. Et donc pour cette proposition, nous avons Tim Etchells qui mettra en scène ce spectacle-là avec son collectif, le collectif Forced Entertainment, qui est londonien. Et pour ce spectacle, donc, on a vraiment un collectif qui a plus de 35 années d'expérience, assez avant-gardiste dans ses propositions, malgré l'âge de ce collectif déjà assez avancé, et avec des propositions qui font pas mal dialoguer les arts. Donc on peut avoir des arts vidéo, donc de la projection, art plastique, installation photo, parfois un petit peu une petite pointe de pop culture. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de proposer quelque chose de très hybride, très varié. Et pour ce spectacle-là, Tim Etchells va remettre en cause un petit peu la place du spectateur dans le spectacle, dans l'histoire du théâtre. Donc il va y avoir des liens faits avec le théâtre au présent et aussi au passé, et de voir un petit peu comment tout ça a évolué avec le temps, et finalement quel rôle tiennent les spectateurs dans un spectacle, et quelles relations directes ou indirectes ils peuvent avoir avec les artistes. Le sous-titre, donc le titre finalement de ce spectacle, ce sera « How the world is going, sir, now ?» donc qui fait un petit peu écho avec cette histoire de passé-présent, et dire comment est le monde aujourd'hui, et comment nos spectateurs vivent le moment présent dans les salles de théâtre. Voilà, et nous nous retrouverons ensuite le 2 février dans la très belle salle des concerts à Arras pour un rendez-vous musical intitulé Teatro Sant'Angelo. C'est un concert comme un voyage en compagnie d'Antonio Vivaldi et de quelques-uns de ses contemporains et de la formidable mezzo Adèle Charvet. Alors, on est très heureux d'accueillir pour la première fois à Arras l'un des plus prometteurs ensemble de musique baroque actuelle qui s'appelle Le Consort et qui est dirigé par Justin Taylor au clavecin. Ils ont la petite trentaine tous, Adèle Charvet aussi, cette merveilleuse mezzo-soprano. Et ils nous proposent un programme intitulé Teatro Sant'Angelo. Ils viennent de sortir leur disque. Ce programme est construit à partir du répertoire du Teatro Sant'Angelo. Le Teatro Sant'Angelo à Venise au XVIIIe siècle, c'était un des grands
théâtre qui donnait sur le Grand Canal. Il avait cette particularité d'être très populaire, c'est-à-dire que les places y étaient très peu chères. Autre grande curiosité, c'est que devant ce théâtre, il y avait toujours un montreur d'ours, un dresseur d'ours. Donc il y avait toujours un ours vivant qui faisait l'admiration, et, évidemment une publicité formidable à tout au théâtre. Et d'ailleurs, si vous connaissez les fresques de Tiepolo, on voit cette image d'ours dressé devant les théâtres. Et bien, c'était ce fameux Teatro Sant'Angelo. Et Vivaldi était évidemment compositeur, avait une activité débordante et il a dirigé pendant quelques années ce théâtre. Il était ce qu'on appelait un impresario. Il a composé quelques-uns de ses opéras, vous savez, il y en a écrit une cinquantaine pour ce théâtre, mais surtout il en a commandé à d'autres compositeurs, dont Ristori, qui sont tombés dans l'oubli mais qui ont eu un succès énorme. Et notre Vivaldi était un sublime compositeur mais un piètre gestionnaire, et très rapidement il a fait faillite, et le théâtre aussi. Mais du coup, pour ce concert, vous aurez aussi bien les grands tubes des opéras de Vivaldi que des choses beaucoup moins connues que de Ristori et d'autres compositeurs de l'époque. Ensuite, nous retrouverons la danse avec un spectacle plutôt danse urbaine qui s'intitule Dub. C'est le dernier opus du chorégraphe franco-sénégalais Amala Dianor. Donc le spectacle est en pleine création. La première n'aura lieu que le 9 décembre prochain à Cannes. Donc je vais vous en parler de ce commencé. Donc le spectacle porte le nom d'un courant musical, le dub, qui a connu plusieurs formes. C'est un mouvement issu du reggae jamaïcain. D'abord, c'est un mouvement de recomposition, de mixage du reggae sur lui-même avec simplement les bandes instrumentales. Puis il a complètement évolué, différentes formes, jusqu'à arriver dans les années 90 en Angleterre comme un mouvement où le reggae rencontrait le mix, les musiques électroniques, les cultures urbaines. Donc c'est un art qui est fondé avant tout sur le mélange d'abord de références internes à un art, puis le référence des références multiples venues partout dans le monde, des cultures urbaines, mais aussi des cultures traditionnelles. Donc le spectacle n'est pas un spectacle sur fond de musique dub ou sur le dub, c'est juste un hommage dansé à ce processus de création qui se nourrit en permanence, se réinvente en permanence, créé avec des références multiples. Donc c'est une célébration des cultures dont on s'inspire dans des formes toujours neuves. Donc la pratique du mix et du mélange est assez naturelle pour Amala Dianor, qui est un danseur hip-hop autodidacte qui s'est ensuite formé dans un centre national de danse contemporaine à Angers. Il est lui-même au carrefour de plusieurs cultures et de plusieurs pratiques, le hip-hop, la danse néoclassique, la danse contemporaine, la danse afro-contemporaine. Donc pour Dub, il fait appel à 12 danseurs, 12 jeunes danseurs qu'il a repérés sur les réseaux sociaux aux quatre coins du monde, puisque la vitalité de la danse contemporaine se fait désormais par des petites vidéos. Les gens, chacun dans leur coin du monde, inventent, réinventent les gestes, s'inspirent des mouvements des autres. Et donc le concept du spectacle, c'est de réunir, pour une fois, 12 jeunes danseurs issus qui ne se connaissaient pas forcément avant, dans le temps d'une représentation, dans un décor éphémère qui va être signé par le plasticien et le photographe Grégoire Korganov, qui va créer un espace fragmentaire composé d'images et de vidéos, comme pour représenter la mosaïque mondiale qui se crée avec toutes ces petites vidéos qui se répondent. Et le spectacle sera aussi unifié par la musique d'Awir Leon, qui viendra jouer en live pendant la représentation. Donc c'est vraiment un moment d'émulation et de fête pour ces jeunes danseurs et qui sont heureux tous de participer à cette aventure de créer la vitalité de la création chorégraphique. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai une bonne nouvelle. Il est 20h32 exactement et nous sommes arrivés à la moitié de la saison. Donc on est plutôt très bien en termes de timing. J'espère que pour vous, ça va. Je propose à Christophe de nous rejoindre sur ce plateau et merci Fabien, merci Jérémy, merci Simon. Et on va parler maintenant de notre cinéma. On a la chance dans cette scène nationale d'avoir un cinéma Essai, Recherche, Découverte qui a une très très belle programmation cinéma. Je le dis d'autant plus volontiers que c'est Christophe qui s'en occupe.
Voilà, donc le cinéma du tandem, c'est environ 4 ou 5 films par semaine, des avant-premières, des rencontres avec des réalisateurs, des débats, des films en version originale et puis une tarification particulièrement basse avec des tarifs qui sont à 5,50 € pour découvrir les derniers films sortis en salle ou alors 2 € pour les allocataires des minima sociaux. Et tout au long de la saison, il y a les ciné-droits, les ciné-goûtés, les ciné-dimanches, et aussi plein d'autres événements. Et Christophe, je vais te laisser nous les présenter. Bonsoir. Je vais commencer par le jeune public qui constitue une grande part de l'activité du cinéma. Chaque semaine, nous proposons les mercredis et dimanches une programmation à destination du jeune public. On choisit des films qui sont représentatifs de toutes les techniques de cinéma, d'animation, et ce sont des films qui s'adressent à toutes les tranches d'âge. Donc on a des films pour les tout petits, pour les plus grands, mais aussi pour le cœur d'enfants des adultes qui les accompagnent. Et chaque mois, on propose un ciné-goûté. Alors c'est une séance, une projection qui est suivie d'un atelier ou d'une discussion. C'est important puisque les enfants peuvent partager leur ressenti du film et aussi un moment où on peut leur donner des clés pour décrypter l'image. Et comme le nom l'indique, c'est suivi d'un goûter. Il y a tout un travail, tout un volet de notre activité sur le jeune public qui ne se voit pas forcément puisque ça se passe la journée pendant le temps scolaire. On accueille tous les dispositifs d'éducation à l'image, que ce soit école et cinéma, collège et cinéma, lycée et apprenti au cinéma. Et à côté de ces dispositifs, nous proposons aux enseignants d'amener des élèves pour des films qui sont à notre programmation, mais aussi on accueille aussi des demandes particulières sur des films. Donc si vous êtes enseignant et que vous voulez amener des élèves, n'hésitez pas à nous contacter. Cette année, nous allons retrouver Ciné-Droit. Nous vous proposons 6 soirées qui, autour d'un film, interrogent une question de droit et de sa représentation par le cinéma. Avec les partenaires, dont les enseignants de la faculté de droit de Douai, nous avons concocté un programme et nous avons choisi d'aller vers 6 thématiques. Nous allons aborder la question de l'intime conviction, la question du divorce et du droit de la famille, la question de la vulnérabilité des enfants migrants, et nous allons parler des maisons de correction où étaient placées des jeunes filles jusqu'à la fin des années 70. Ça se passe bien en France et la réalisatrice d'ailleurs du film, Emerence Dubas, sera avec nous en novembre pour parler de ce sujet. En octobre, tout à l'heure, Jérémy vous parlait de Laobra, une pièce mise en scène par Mariano Pensotti. En écho à ce spectacle, on va vous présenter un film allemand qui s'appelle La Conférence, réalisé par Marty Geschenek. C'est un film qui nous amène en 1942 au sein d'une conférence où sont réunis une quinzaine de dignitaires du Troisième Reich. Et ils ont pour mission d'élaborer un plan pour exterminer les Juifs et mettre en place ce qu'on appellera la solution finale. Voilà, c'est un sujet qui peut paraître comme ça assez effrayant, mais le film est absolument brillant et il montre aussi comment un État peut mener et construire des processus totalitaires, voire extrêmes, sur des bases légales. Des lois, évidemment, qui sont faites pour ça. Pour finir avec Ciné-Droit, la première séance aura lieu le 27 septembre. Nous présenterons en sortie nationale Le procès Goldman. C'est un film qui est réalisé par Cédric Kahn. Ça nous amène en novembre 1975. C'est le deuxième procès de Pierre Goldman qui est accusé d'un double meurtre qui a eu lieu lors d'un braquage d'une pharmacie. Et à travers ce procès durant lequel Pierre Goldman ne va cesser de crier son innocence, c'est bien sûr la question du militantisme de l'extrême gauche qui est abordée. Voilà pour Ciné-Droit. Tout au long de cette saison, nous allons retrouver plusieurs événements, des événements européens, nationaux, régionaux. Nous allons recevoir en novembre, plus particulièrement, la 8e journée Art et Essai du cinéma européen. Nous allons participer aux différents festivals Télérama, que ce soit le festival adulte ou le festival enfant. Nous accueillons le festival OFF d'Arras. C'est aussi le retour début décembre des ciné dimanche. Il y aura aussi l'automne documentaire qui propose une programmation de films documentaires d'octobre jusqu'à
décembre. Et bien sûr, comme on vient de l'évoquer avec la conférence, toute une série de propositions pour faire se croiser ce qui se passe sur l'écran du cinéma et sur les plateaux du Tandem. Deux autres événements pour cette rentrée qui, comme vous l'avez vu, est très riche en films, c'est le retour de réalisateurs. Donc un petit coup de cœur d'abord, c'est le retour de Yolande Moreau comme réalisatrice. Elle n'avait pas réalisé de film depuis 10 ans, c'était Henri. On avait organisé à l'époque une rencontre avec les acteurs et les actrices de L'Oiseau Mouche qui avaient participé au projet. Et cette fois, elle revient avec un film qui s'appelle La fiancée du poète. Alors je ne vais pas vous en parler, mais ce film lui ressemble incroyablement. Il est à la fois différent, mais on retrouve tout ce qui fait qu'on aime Yolande Moreau. L'autre film, le grand retour, c'est le retour d'un réalisateur finlandais, Aki Kaurismäki, qui revient avec un très grand film qui s'appelle Les Feuilles Mortes. Le film a reçu le prix du jury à Cannes. On retrouve tout son univers, sa mise en scène, son univers, ses couleurs, son humour, son regard social et politique et une poésie incroyable. Voilà, je vous laisse découvrir quelques images de ce film que nous présenterons dès sa sortie mercredi prochain, le 20. Lähdetään. Mihin? Karaokeen. On perjantai. Masentaa. Mikä? Kun juon niin paljon. Miksi sitten juot? Kun masentaa. Anna numeron. En tiedä edes nimeäsi. Kerron ensi kerralla. Kukkasin puhelinnumeron. Miksi et kysy numerotiedustelusta? En tiedä nimeä. Kieltämättä vähän haittaa. Olen vankina täällä ikuisesti. Myös hautausmaata kiertävät aidat. Kun päättyisi viimein mallinen pesti. Mut syventään kuitenkin. Olen etsinyt sinua kaikkialta. Ajattelin, että löysit mieleisemmin. Itseäni siellä en tarvitse muita. Sinusta en tiedä. Myönnän jos... Mukava asunto. Petite merveille à partir de mercredi. Merci Christophe, tu as terminé. Oui. Je vais profiter peut-être de ce moment, juste avant de reprendre la programmation de la deuxième moitié de saison, pour vous dire quelques mots du FIGRA. Le FIGRA, c'est le Festival international du grand reportage d'actualité. Et comme vous le savez, ce festival se déroule depuis 3 ans à Douai. On a cette chance que ce festival se soit posé ici dans cette ville, c'est très, très, très important. Et en mai dernier, nous avons eu le plaisir d'accueillir pour la première fois la soirée d'ouverture de ce festival, particulièrement intéressant. Et le FIGRA, c'est près de 60 films en sélection officielle. Il y a des rencontres, des débats autour de l'information et du monde des médias. Et je trouve que certaines dramaturgies qu'on peut croiser dans les programmations au plateau se construisent aussi dans une grande proximité avec la collecte de témoignages et aussi une proximité avec le grand reportage. Et pour cette raison, je trouve que c'est intéressant de continuer à rechercher des points de croisement entre nos deux programmations. Et nous accueillerons donc à nouveau la soirée d'ouverture du FIGRA, en principe le 28 mai 2023. Et je salue ce soir la présence d'Oriane Delbar, qui est maire adjointe chargée de la culture, et qui a rendu aussi cette coopération possible. Merci beaucoup. Voilà, il est environ, même très exactement, 20h43. On va reprendre donc la deuxième partie de saison. Voilà, et j'ai le plaisir de retrouver à ma gauche Marie Durigneux, chargée des relations publiques et de la décentralisation. Rénilde Girardin, qui est responsable des relations publiques. Bonsoir. Et
Et puis Marine Foglietti, chargée des relations publiques. Et je remercie Marine, parce que c'est une première pour elle, de se prêter à cet exercice de la présentation de saison. Merci. Merci, bonsoir. Voilà, on va continuer. Nous nous retrouverons donc en février, entre le 7 et le 16, et nous avons prévu de nous déplacer hors les murs avec le spectacle Renversante. Et c'est Marie qui nous en parle. Effectivement, le spectacle Renversante, c'est une adaptation d'un livre jeunesse qui a été écrit par Florence Hinkel. Et c'est la metteuse en scène et comédienne Léna Bréban qui a adapté l'ouvrage. Donc ce spectacle, en fait, prend place dans une société matrimoniale où le féminin prédomine sur tout le reste. Donc ça va être sur le vocabulaire. Par exemple, les personnages qui sont mis en scène sont frères et sœurs et ils ne sont pas jumeaux, ils sont jumelles. Le nom des rues est exclusivement des noms de femmes. Et puis il y a aussi toutes les injonctions qui sont faites aux garçons ou aux hommes, comme ne pas montrer leurs jambes parce que c'est quand même tout à fait indécent. Donc en fait, c'est un spectacle qui aborde un grand sujet sociétal par le biais de l'humour, parce que c'est vraiment un spectacle qui est hyper drôle et qui est aussi très ancré dans notre époque avec les références tout au long de la pièce. Et ça nous invite du coup à réfléchir sur ces questions d'inégalité entre les femmes et les hommes qui sont encore trop présentes dans notre vie quotidienne. La particularité de ces représentations, c'est qu'elles sont suivies d'une discussion entre les artistes et le public pour justement pouvoir poursuivre la réflexion et échanger autour de ces sujets ensemble. Pour les dates et les lieux où sera joué le spectacle, vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet. Voilà, et on continue en février. Le 8 février, nous accueillons la chanteuse Juliette. Et Juliette, pareil, c'est une artiste qu'on présente peut-être plus, qui est parolière, compositrice, mais aussi pianiste particulièrement talentueuse. Et Juliette est aussi un personnage authentique, excessif, parfois très drôle, et qui possède aussi un sens de l'image et un sens de la rime, et aussi pas mal d'audace dans les thèmes qu'elle aborde dans ses chansons. Et dans le monde très très formaté du showbiz, elle affiche une indépendance et une liberté rare. Voilà, je vous propose de regarder des images. C'est à n'en pas douter la beurre digne d'Hercule, à l'exemple de qui n'avance pas recul. On espère, on déchante, on pleure, on sue, on tousse, étouffé dans la couette et bouffé par la housse. Y a-t-il seulement de stratégie qui vaille sous le fond et l'enfer des chambres de bataille? L'ennemi tente encore une sortie qu'on repousse, mais à revers la couette vient délivrer la housse. Agitant le pilou comme une mouletta, dans l'arène où je vis mon tout dernier combat, à 5h du soir, torero andalus, encore né par la couette et gisant sur la housse. Voilà pour ce concert de Juliette. Nous retrouverons ensuite le théâtre avec un spectacle intitulé Vertige, spectacle du metteur en scène Guillaume Vincent. Alors en 2021, Guillaume Vincent était invité à donner un stage auprès de 7 élèves de la 6e promotion de l'école du Théâtre du Nord. Et lorsqu'il a réfléchi à ce sur quoi il allait travailler, à quel projet il allait mener avec les élèves, projet qui a d'ailleurs donné ce spectacle Vertige 2001-2021, il s'est rendu compte, il s'est rappelé que lui-même était entré à l'école du Théâtre National de Strasbourg en 2001, soit 20 ans avant, ce qui a été pour lui un petit peu comme un retour entre guillemets vertigineux, dans le sens où il s'est rendu compte que voilà, lui-même, l'école, c'était il y a 20 ans, donc du temps était passé. Différents événements, évidemment, dans le monde et en France, s'étaient produits aussi. Et du coup, ça lui a donné envie, avec ses élèves eux-mêmes en apprentissage à ce moment-là, de revenir sur ce que ça avait été pour lui d'être élève comédien en 2001, au début du nouveau millénaire. Et pour cela, il a convoqué ses propres souvenirs. Il a également réinterrogé ses anciens camarades de promotion. Et l'idée était un petit peu de retranscrire leur parcours
parcours depuis l'école jusqu'à aujourd'hui, comment ils ont évolué, comment leur métier de comédienne, de comédien a évolué, quels étaient un petit peu leurs centres d'intérêt, également leur engagement politique à l'époque et comment cela s'est traduit ensuite pendant les 20 années qui ont suivi, notamment dans leur métier, mais aussi dans leur vie privée, on va dire. Et donc, on va revenir déjà en 2001. Alors, si vous vous rappelez, 2001, c'est pas hier, mais c'était quand même une année assez importante d'un point de vue, par exemple, tragique avec les attentats du 11 septembre. La rentrée de l'école en 2001, c'était les attentats du 11 septembre. D'un autre côté, c'était aussi la première saison de Loft Story, donc la télé-réalité qui arrivait dans nos vies, la piscine avec Loana et comment il s'appelait, Jean-Edouard. Jean-Edouard et Loana. On n'était pas loin non plus de la première présence du Front National au deuxième tour des élections présidentielles. On s'approchait quand même de 2002. Donc voilà, donc on va retraverser ces années et ce que c'est qu'être comédien dans ces années-là. Sur le plateau, on va retrouver donc des comédiens et comédiennes qui, dirigés par Guillaume Vincent, vont être très dynamiques. Il va y avoir du chant, de la danse, des disputes, voilà, des scènes très drôles. Également, il va faire venir sur le plateau 6 enfants. Donc, comme pour Avant la Terreur, on va peut-être à un moment donné lancer un appel à candidature pour pouvoir trouver 6 enfants de 10 ans qui auraient envie de participer à ce spectacle et qui pourront apporter leur regard un petit peu jeune. Voilà, donc un spectacle qui sera certainement, et d'ailleurs Gilbert l'a vu et l'a beaucoup apprécié, très, très dynamique, très sympathique et qu'on vous invitera à découvrir en février. Arras, pardon. Voilà, c'est vrai, j'ai adoré ce spectacle. Magnifique comédien. On continue, 14 et 15 février, nous accueillons ensuite de la danse, une grande forme pour 15 danseurs, et c'est la première date de tournée de ce spectacle, après sa création dans le Festival d'Avignon IN, dans la Cour d'honneur, et c'est une coproduction du Tandem. Il s'agit du dernier opus du chorégraphe américain Traja Larel, et ce spectacle s'intitule The Romeo. Alors, Traja Larel, c'est effectivement un chorégraphe américain dont les sources d'inspiration, c'est à la fois la danse postmoderne depuis les années 60, mais également le voguing, cette danse qui a été inventée dans les années 80 dans les clubs gays afro-américains et qui consiste à imiter les poses des mannequins dans les défilés. Alors, comme vous le voyez sur les images, les différents artistes qui sont au nombre de 14, plus Traja Larel, donc 15 sur le plateau, vont arriver à Paris, être sur le plateau à travers un portique qu'on voyait en fond de scène, et ceci un petit peu effectivement comme un défilé. Les interprètes qu'il a choisis sont de culture, d'origine, d'âge, de corpulence, de genre différents, l'idée étant de réunir, voilà, comme une petite petit exemplaire voilà de la société aujourd'hui. Les costumes sont très beaux, donc on renvoie ici aussi à l'idée du défilé. Et par rapport à Roméo, alors on n'est pas tout à fait dans l'idée qu'on va sur scène redécouvrir l'histoire de Roméo et Juliette, mais c'est plutôt voilà, le côté intemporel, universel du personnage qui l'intéresse. Et ici, avec ses différents interprètes, l'idée c'est de nous proposer une danse dans laquelle peut-être chacun pourrait aussi se reconnaître, une danse dans laquelle on pourrait tous ensemble se sentir bien et qui nous permettrait pourquoi pas de traverser ensemble des tragédies. Alors voilà, donc un spectacle qui est très beau, qui est très doux et qui a pour objectif de nous faire sentir relativement bien. Donc, voilà. On vous invite aussi à le découvrir ici en février. Voilà, et toujours en février, nous retrouverons ensuite la musique dans la salle des concerts avec Alter Ego et la pianiste Célimène Daudet. Et Aude, qui va parler de ce spectacle-là, je te propose d'enchaîner avec Thierry Ballas le spectacle Grain de sable qui vient juste après. Alors c'est un grand bonheur
d'abord d'avoir un récital piano dans cette magnifique salle de concert d'Arras. C'est un écrin merveilleux. Et un grand bonheur d'accueillir Célimène Daudet, qui est une brillante pianiste qui, évidemment, connaît parfaitement le répertoire classique, mais creuse son sillon et découvre des compositeurs méconnus et nous les fait connaître en créant des programmes, là celui-ci Alter Ego, c'est d'ailleurs le titre de son dernier disque, des programmes qui les mettent en valeur face à des monstres de piano. Là, par exemple, on va avoir un programme autour de Chopin, grand voyageur lui-même. Elle va mettre en regard des compositeurs haïtiens. Célimène Daudet est elle-même d'ascendance haïtienne. Et elle a exhumé des partitions de Ludovic Lamotte, de Justin Ellie, qui sont des Haïtiens qui se sont formés en Europe, qui connaissent Chopin, qui connaissent toute la tradition des claviers, et reviennent à Haïti avec cette culture-là, mais évidemment vont se mettre à composer en intégrant, en métissant leur musique, des musiques traditionnelles, populaires, qui existent et qui sont tellement nombreuses à ce qui s'appelait Saint-Domingue, et qui était une plateforme, évidemment, de cette époque. Cette notion de métissage, vous verrez, on va la retrouver dans plusieurs spectacles musicaux, comment les musiques traditionnelles populaires ont influencé les musiques dites savantes. Donc, dans ce magnifique répertoire qu'elle va nous offrir, nous avons pendant une heure, donc Chopin, Lamotte, Ellie et aussi un Espagnol qui s'appelle Federico Mompou, qui est plutôt du XXe siècle, lui, et qui fait la synthèse de tout ce XIXe siècle international. Ensuite, on retrouve avec grand plaisir également Thierry Ballas, qui est vraiment un habitué du tandem. Ses musiques électroniques, ses spectacles extrêmement poétiques, léchés. Là, il nous propose un spectacle pour le jeune public, adressé au jeune public dès 9 ans. Le point de départ de ce spectacle, c'est qu'il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'était réveillé, il y avait du sable rouge dans les rues, sur nos voitures. C'était un vent qui était venu du Sahara, un sirocco qui avait apporté du sable jusqu'au nord de l'Europe. Et Thierry Ballas s'est dit, mais que c'est-il, enfin, quel est le voyage de ces grains de sable? Il s'est rapproché de Fabrice Murgia pour écrire un texte extrêmement poétique du voyage du grain de sable sur scène. Ils seront 3 avec des claviers, de la musique électro, de la percussion et la récitation de ce texte. Donc c'est vraiment un voyage qui ira du Sahara qui traversera la Méditerranée. Donc un spectacle plein de poésie, d'ellipses qu'on souhaite vraiment faire partager au plus grand nombre, enfants comme parents. Voilà, et c'est une coproduction du tandem. On continue juste avant les vacances de février, donc les 20 et 21. Nous avons le plaisir d'accueillir une artiste habituée des saisons du tandem. Il s'agit de Fia Ménard avec son nouveau spectacle en cours de répétition, Article 13. Et c'est une coproduction également du tandem. Alors, Fia Ménard, c'est une artiste aux multiples casquettes. On la connaît metteuse en scène, jongleuse, performeuse, chorégraphe. On l'a effectivement déjà accueillie au tandem, notamment avec son spectacle La Trilogie des Contes Immoraux. Elle a l'habitude, dans ses spectacles, de questionner l'humanité. Elle va aussi utiliser la violence humaine comme matière de création. Et c'est exactement ce qu'elle va faire dans cette toute dernière création, Article 13, dans lequel elle va questionner la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc sur la thématique des frontières et des migrations. Donc c'est un solo de danse, performance, dans lequel elle va aussi questionner ce qu'elle appelle la solidarité sélective, c'est-à-dire la façon dont on va se comporter avec des migrants qui viennent d'Ukraine et, à contrario, des migrants qui viennent de pays du Moyen-Orient, de l'Afrique. Donc c'est vraiment ça qui va l'intéresser. Elle-même, elle a, dans sa vie personnelle, accueilli des migrants chez elle. Donc elle sait de quoi elle parle. Donc c'est vraiment un spectacle d'une très, très grande puissance visuelle.
Voilà, nous nous retrouverons ensuite, après les vacances de février, avec un premier rendez-vous musical, les 12 et 13 mars, Give It to the Sky, Donnez-le au ciel. C'est un concert performance autour de la figure du compositeur Arthur Russell. Sierra's wisdoms float away. Some dairy animals there. I move my feet and stare out the window. Sun reflects off their backs there. Alors, c'est un projet très original autour de la figure d'Arthur Russell. Là, vous entendez la musique d'Arthur Russell, qui est né en 1951 et mort en 1992. C'est un artiste qui est devenu mythique chez les musiciens, parce que précisément, là aussi, on retrouve la notion de métissage. C'est quelqu'un qui s'est formé au violoncelle classique à New York, qui a été très influencé par la Beat Generation, par Jack Kerouac, qui est parti sur la route, qui a vécu dans une communauté bouddhiste, qui est allé en Inde, qui est allé chez les Amérindiens. Et il a vraiment intégré dans toutes ses musiques toutes ses influences, un peu comme aussi certains grands compositeurs de la musique répétitive. Et sa musique, elle est assez inclassable entre musique classique, pop, trance. Et ce spectacle-là, Give It to the Sky, ça vient d'une œuvre mythique perdue, une œuvre perdue en tout cas qui n'a jamais été vue. Cette histoire est assez extraordinaire. Ça vient du metteur en scène Bob Wilson, qui avait fait Einstein on the Beach avec Phil Glass, qui avait été un succès énorme dans les années 70 et qui avait vraiment fait avancer l'art opératique. Et Bob Wilson voulait refaire un opéra avec Phil Glass. Phil Glass était débordé avec beaucoup de commandes et lui a dit « Mais alors, moi, je connais un gars super, on m'en a dit beaucoup de bien, il s'appelle Arthur Russell, tu devrais faire ça avec lui. » Et ils vont commencer à travailler sur une œuvre qui s'appelle Tower of Meaning, qui était sur le personnage de Médée. Vous verrez qu'on reviendra sur cette plusieurs fois dans la soirée sur le visage de Médée. Et il commence à travailler et ça se passe très mal parce qu'Arthur Russell ne passe son temps à chercher, expérimenter et il ne tranche jamais. Il ne s'entend pas avec Bob Wilson et Bob Wilson voit les dates arriver et rien n'est fait. Mais en fait, il y a 20 heures de musique, mais aucune œuvre qui sorte. Il se fâche et l'œuvre ne sera jamais faite. Sauf qu'on a toutes les bandes et l'ensemble haut a décidé de faire un spectacle qui va durer juste une heure et quart de toute cette bande pour exhumer cette musique-là, mais aussi a demandé à Cathy Olive, qui est une très très grande éclairagiste, qui travaille notamment aussi avec Christian Rizzo, et qui va faire de ce concert scénographié qui va aider à une dramaturgie dans laquelle vous êtes dans un voyage sonore et un univers extrêmement fort. Donc c'est vraiment à découvrir Give It to the Sky à Douai. Voilà, ensuite nous quitterons Douai, nous quitterons l'Hippodrome, nous quitterons aussi le théâtre d'Arras pour nous rendre au Louvre-Lens les 18, 19 et 20 mars où vous pourrez découvrir le très brillant spectacle de Mohamed El Khatib avec son complice Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, dans un spectacle qui s'intitule « Boule à neige ». Et je vous propose de regarder des images. Une scène de théâtre ou une boule à neige qui est grande comme ça, le point commun, c'est que tout un monde est contenu là-dedans. Et toute une scène et toute une histoire est racontée à l'intérieur d'un cadre extrêmement défini. Et ce qui est intéressant, c'est que la boule à neige sans le geste, ce n'est pas la boule à neige. La boule à neige... Elle a besoin du geste. Mais je crois que toute collection, on en fait ce qu'on veut ou ce qu'on est. Ça correspond à un individu. Et par exemple, moi, j'éprouve un dédain envers les collectionneurs de timbres. Alors, pour ce spectacle, on vous invite à ramener toutes vos collections, évidemment. Donc, Mohamed El Khatib, on le connaît bien au Tandem, on l'a accueilli à plusieurs reprises. Donc, ce metteur en scène, réalisateur, s'associe à Patrick Boucheron, historien, et tous les deux vont tirer le portrait de cet objet un petit peu mythique, kitsch pour certains, rangé au rang d'œuvre d'art pour d'autres. Ils vont donc
tirer le portrait, faire l'histoire de cet objet. Donc on est vraiment sur du théâtre documentaire. Pour créer ce spectacle, Mohamed El-Khatib a parcouru la France et est allé même au-delà des frontières pour aller interroger de nombreux collectionneurs et collectionneuses de boules à neige. On en a vu d'ailleurs des extraits de ces témoignages. Alors vous n'aurez pas les collectionneurs et les collectionneuses sur scène, mais plein de boules à neige. Donc voilà, un merveilleux spectacle de théâtre documentaire avec sur scène à la fois Patrick Boucheron, Mohamed El-Khatib et plein de boules à neige. On continue, on sort de cette thématique des boules à neige passionnante pour se retrouver le mardi 19 mars avec le Quatuor Bella, qu'on a déjà eu l'occasion d'accueillir, pour un concert intitulé Bartok par Bella. Oui, c'est un spectacle adressé au jeune public, mais à partir de 9 ans, mais vraiment pour tout public. Tant on apprend de choses sur ce génie de la musique qui était Béla Bartok. Le format, ils seront sur scène avec 2-3 éléments scénographiques. C'est un concert commenté autour du quatuor numéro 4 de Béla Bartok, qui est écrit en 1927 et qui vraiment fait partie des chefs-d'œuvre de l'histoire du quatuor. Après Mozart, Haydn, Béla Bartok fait figure de génie du quatuor et de la musique de chambre. Ce qui est passionnant avec Béla Bartok, qui naît en 1881 et meurt en 1945, c'est que lorsqu'il naît en 1881, il est né dans une ville qui maintenant est en Roumanie, mais à l'époque, il était dans l'Empire austro-hongrois. Et actuellement, elle est en Roumanie, mais c'était une période où il était vraiment aux frontières de l'actuelle Roumanie, Hongrie et Slovaquie. Et il commence sa carrière de compositeur. Il renouvelle complètement l'écriture musicale. C'est vraiment lui qui ouvre la voie à la musique contemporaine, atonale. Et ce qui est formidable avec Béla Bartok et tellement avant-gardiste, c'est qu'il s'est beaucoup intéressé au folklore, aux musiques traditionnelles de toute cette Europe de l'Est. Et il s'est mis en tête d'aller récolter toutes ces musiques, toutes ces mélodies. Il s'est baladé avec un des premiers enregistreurs au début du XXe siècle pour tout enregistrer. Et en ça, il a été vraiment le pionnier de l'ethnomusicologie. Il a vraiment agi comme un ethnographe parce qu'il était persuadé qu'il y avait une richesse intrinsèque à cette musique. Et il a intégré ces musiques dans son langage d'une très grande complexité. Là, on retrouve encore ce qui aussi anime les compositeurs que Célimène Daudet va nous jouer. Je vous rappelle juste que ce rapport entre musique dite savante et musique populaire a toujours été extrêmement problématique, notamment dans cet empire austro-hongrois. C'était l'époque des pogroms contre les juifs, c'était l'époque d'un antisémitisme virulent. Et Mahler, Gustav Mahler, lorsqu'il présente une de ses symphonies qui intègre quelques mesures de Frère Jacques, il est hué et voué aux gémonies par toute la presse pour avoir osé intégrer ça dans sa musique. Donc c'est vraiment un voyage musical, historique, sociologique, ethnologique que le quatuor Béla nous convie. Donc pour petits et grands, et vraiment venez, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, après ce concert, nous fêterons l'arrivée du printemps avec de la danse, le 23 mars, sur ce même plateau, avec une pièce du chorégraphe grec Christos Papadopoulos, et ça s'intitule L'Arsensée. Reinhild, qui doit parler de ce spectacle-là, je te propose d'enchaîner avec le spectacle suivant, Shelly Chung, Fifit. Christos Papadopoulos est donc un chorégraphe grec qui a eu la chance de grandir dans le Péloponnèse et qui a beaucoup observé la nature, s'est beaucoup inspiré de la nature dans ses spectacles. Il s'est intéressé au mouvement des feuilles dans les arbres, des nuages dans le ciel, des poissons dans l'eau, etc. Et ce qui l'intéressait particulièrement, c'était de pousser un peu son observation. On va dire que si on regarde rapidement ce qui nous entoure dans la nature, on va avoir l'impression que les mouvements des végétaux, des animaux, sont plutôt des mouvements
répétitifs, mais finalement, ce sont des mouvements qui sont répétitifs, mais évolutifs, et qui peuvent, par désynchronisation, créer quand même de la variation, de l'ondulation. C'est ce qu'il va essayer donc, de présenter sur scène avec ses différents interprètes. Comme vous l'avez vu, ils dansent de manière assez synchronisée, ils produisent des mouvements qui sont relativement répétitifs, mais voilà, avec des variations, des ondulations, des désynchronisations qui vont jouer un petit peu sur nos perceptions de ce qu'on voit sur scène. Et ceci est renforcé par un très beau travail sur la lumière qui va particulièrement être reflété par les costumes. Vous voyez ces beaux costumes noirs irisés des différents interprètes. Pour ce qui est du titre du spectacle, Larsensé, ne vous inquiétez pas, on ne va pas avoir une musique cacophonique qui va nous percer les oreilles, mais plutôt, donc voilà, ici on est aussi dans l'inspiration de la nature. Alors, vous n'allez pas forcément voir ce qui l'a inspiré sur scène, enfin, si vous le voyez, effectivement, tant mieux pour vous, mais peut-être que vous avez quand même plus d'imagination que nous. En tout cas, ici, Larsensé, ça renvoie à une plateforme glaciaire qui se trouve sur la côte est de l'Antarctique, qui est composée de plusieurs glaciers qui s'appellent Larsen A, Larsen B, Larsen C, et qui se sont tous désintégrés ces dernières années. Ce qui l'a intéressé par rapport à la question du glacier, c'est que ça nous paraît être quand même un immense monolithe immobile, mais finalement qui est toujours en mouvement, et puis quasi indestructible, mais finalement l'évolution actuelle du climat nous montre que, comme tous les éléments de la nature, finalement, si on n'en prend pas soin, ils sont relativement fragiles. Donc une très belle pièce chorégraphique avec une réflexion quand même par rapport à cette idée qu'il faudrait peut-être observer un petit peu plus la nature pour essayer aussi peut-être de la protéger davantage. Et puis, on va enchaîner effectivement avec un deuxième spectacle. Là, on va être plutôt sur un spectacle musical avec Shelly Chong Fifit qui sera joué sur la scène de l'Hippodrome, enfin dans la salle Malraux, les 26 et 27 mars, qui est une coproduction du Tandem. Benjamin Abel-Méreg, lui, c'est un metteur en scène de théâtre, d'opéra flamand, dont vous avez peut-être découvert le travail ici au Tandem la saison dernière avec le spectacle Madrigals. Dans Madrigals, il avait envie de nous faire redécouvrir la naissance de l'opéra à l'époque de Monteverdi, une époque qui pour lui était quand même incarnée par une certaine violence, une certaine sexualité exacerbée. Pour ceux qui ont vu le spectacle, du coup, vous aurez retenu que c'est un artiste qui aime mélanger les genres sur le plateau, donc entre le mouvement, la danse, la musique, l'opéra, et même des grandes toiles peintes, voilà, qui amènent aussi les arts visuels sur le plateau. Shelly Chong Fifit, c'est un spectacle qui n'est pas encore créé, qui sera créé à Anvers en janvier 2024, donc on aura un petit peu plus d'informations aussi à ce moment-là. C'est un spectacle dont le titre reste assez mystérieux, et si vous savez ce que veut dire Shelly Chong Fifit, n'hésitez pas à nous le dire, parce que malgré nos recherches, nous n'avons toujours pas trouvé. Maintenant, donc, le spectacle, sa source d'inspiration principale, alors c'est un petit peu comme le spectacle précédent, c'est peut-être pas tout à fait ça qu'on va voir sur scène, mais bon, voilà, on va ouvrir notre imagination. C'est en fait le télescope spatial James Webb, qui remplace depuis 2021 le télescope spatial Hubble, et qui doit permettre aux scientifiques de découvrir comment se sont créées les galaxies après le Big Bang, et comment elles ont évolué jusqu'ici. Ce qui l'intéresse là-dedans, c'est essentiellement le fait que l'être humain ne va pas s'arrêter à son environnement direct, mais être toujours en capacité d'ouvrir son esprit, d'ouvrir sa conscience pour aller chercher un petit peu, voilà, ou même beaucoup plus loin que son environnement direct. Pour ce spectacle et pour la musique, il va travailler avec la musicienne italienne Caterina Barbieri, qui fait aussi d'ailleurs la musique dans le spectacle Extra Life dont Justine a parlé tout à l'heure. Une musicienne qui va proposer en live de la musique électronique, une musique qu'elle considère elle aussi comme capable de d'ouvrir nos consciences, nos esprits, pour aller voir un petit peu plus loin. On est très content d'accueillir à nouveau Benjamin Abel-Méreg, pardon, et de vous faire découvrir ce deuxième spectacle. Voilà, on sera content de le vivre ensemble en mars, mars 2024. Pardon. Merci Rémi. Les 28 et 29 mars, c'est sur Arras que ça va se passer, et nous vous présentons un étonnant vaudeville en quatre actes qui s'intitule Le mystère du gant. C'est une pièce très drôle, pleine d'humour, pleine de cocasserie, et qui sera également présentée en décentralisation. Et je vous propose de regarder des images. Nous y sommes. Et regardez qui voilà. Moumoun. Bernard. Bernard et Chantal courent dans les bras l'un de l'autre. Ha 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 ha
Alors, le mystère du Gant, effectivement, c'est un vrai vaudeville à la sauce contemporaine. C'est une pièce qui a été écrite par Roger Dupré. Je vous inviterai à vous renseigner sur cet auteur. Ça vous donnera un petit peu le contexte de, voilà, du spectacle. Ce qui est assez intéressant, en fait, dans ce vaudeville, c'est qu'effectivement, ils reprennent tous les codes. Donc, quatre actes, on a 13 personnages, sauf qu'ils sont interprétés seulement par la comédienne et le comédien au plateau. Nous, en tant que public, c'est comme si on assistait finalement à la lecture de la pièce, mais c'est le spectacle. Donc, en fait, que ce soit les personnages, les décors, les actions, etc., c'est l'interprétation et notre imagination qui font vivre tout ça, puisque finalement, on a juste deux personnes en face de nous, et vous voyez que c'est assez dépouillé. Alors effectivement, ils utilisent certains artifices, notamment des moustaches, pour interpréter les différents personnages, sauf qu'au bout d'un moment, nous, public, on perd le fil de l'histoire, parce que comme un bon vaudeville, ça part dans tous les sens, et il y a moult rebondissements, mais les interprètes perdent aussi le fil de l'histoire. Donc à un moment donné, ils ne savent plus quels personnages ils sont, elle se retrouve avec des moustaches partout sur la tête. Enfin voilà, c'est, je dirais, du grand n'importe quoi, mais vraiment qui fait extrêmement plaisir. C'est une pièce qui est hyper drôle, qui est très accessible et qui est aussi très surprenante. Donc effectivement, comme Gilbert le disait, on accueillera le spectacle au Théâtre d'Arras, mais il sera également visible donc le 26 mars à Auby et le 27 mars à Étain. Voilà, et après, nous nous retrouverons juste après le week-end de Pâques, ou les 4 et 5 avril, pour découvrir une nouvelle facette du travail de David Bobé. David Bobé qui nous avait émerveillés avec son Don Juan. Et là, c'est un autre travail qui s'intitule « Ma couleur préférée ». C'est un spectacle pour un public à partir de 6 ans. Et on regarde les images. Alors David Bobé, on le connaît très bien, c'est un artiste engagé contre toute forme de discrimination, c'est un grand nom de la création contemporaine. Et effectivement, il nous a émerveillés avec sa revisite de Don Juan la saison dernière au Tandem. Et si vous avez aimé, vous pourrez retrouver le comédien Shade Hardy Garvey Mondmundo qui est interprété à merveille Sganarel. Il fait partie de ma couleur préférée, des trois interprètes. Alors dans ce spectacle-là, on va suivre trois personnages, trois amis, qui se chamaillent pour essayer de découvrir quelle est la plus belle couleur du monde et de tous les temps. Évidemment, ils ne vont pas savoir forcément se mettre d'accord et ils vont tous les trois nous embarquer dans un voyage coloré, fabuleux, une véritable odyssée esthétique. Donc ce sera évidemment l'occasion de parler de l'origine des couleurs, de l'histoire des couleurs. Donc David Bobé va ici questionner le goût, questionner le beau, mais chaque couleur va être un prétexte pour parler de sujets sociétaux actuels, avec par exemple le vert pour parler de l'écologie, et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Ce qui est vraiment intéressant dans ce spectacle, la valeur ajoutée, c'est qu'au niveau de la scénographie, on aura une scénographie tout en bois, et les images seront projetées et vont nous permettre de changer totalement de décor, totalement de couleur, totalement d'univers. Donc vraiment un spectacle pour le coup très très fort visuellement, avec des sensations, des perceptions très très fortes, qui fera évidemment appel à votre imagination. Donc pour un spectacle jeune public, une vraie très belle première expérience sensorielle au théâtre. Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir ensuite le 6 avril la grande soprano coloratour Patricia Petitbon et l'ensemble Amaryllis dirigé par Héloïse Gaillard. Ce concert s'intitule Flamme de musicienne, de magicienne, pardon. On regarde des images. Que le crime nous sépare, que le crime.
Patricia Petitbon pour incarner à merveille les grandes magiciennes des tragédies lyriques françaises qui ont été composées pendant plus d'un siècle entre Marc-Antoine Charpentier et sa Médée, entre Jean-Philippe Rameau, Jean-Baptiste Lully. C'est un programme magnifique que nous propose l'ensemble Amaryllis, qui est donc dirigé par Héloïse Gaillard, que vous avez peut-être vu si vous êtes venu au concert du concert d'Astrée d'Emmanuel Haïm, parce que c'est son premier hautbois. Ça fait 15 ans maintenant qu'elle a créé cet ensemble-là autour de ce répertoire de la musique française. C'est un grand compagnonnage aussi avec Patricia Petitbon. Et elle a envie de nous faire découvrir les grandes héroïnes de ses opéras. Donc vous aurez Circé, Médée, plus d'autres nymphes magiciennes. Et vraiment cette musique tellement expressive qui va décrire tous les sentiments les plus fous, de la jalousie, l'amour éperdu, la tristesse infinie, et évidemment la capacité, encore une fois, d'incarnation au-delà de la puissance vocale et de la virtuosité, vont faire de ce moment un moment de théâtre aussi unique. Voilà, toujours de la musique, mais d'un autre style. Il s'agit de l'accueil de la chanteuse Pomme, autrice, compositrice, interprète. Elle avait sorti un premier album en 2017 qui est passé un petit peu inaperçu. Et puis, elle a sorti un deuxième album qui a carrément cartonné, qui a été ovationné par le public et qui a été nommé album révélation de l'année aux Victoires de la musique en 2020. Et là, c'est son troisième et dernier album qui s'intitule Consolation. Et cet album est fait d'arrangements électro, de mélodies légères. Il rend également hommage à des figures qui sont des figures marquantes et importantes pour Pomme, la chanteuse Barbara, par exemple, ou la romancière québécoise Nelly Arcan. Et je vous propose de regarder des images. Dans la grande salle du Casino d'Arras donc pour ce concert. Autre grand rendez-vous de notre saison musicale, les 11 et 12 avril, avec Carnet de là-bas, un voyage musical et visuel, fruit d'une très belle collaboration entre Sonia Wieder-Atherton, une violoncelliste exceptionnelle, et le très talentueux cinéaste Clément Cogitor. Et nous sommes fiers au tandem de coproduire ce spectacle qui sera joué juste après nous à la Philharmonie de Paris. Sonia Wieder-Atherton est une magnifique violoncelliste qui est née à New York, qui s'est formée au début en France et qui a souhaité se former à Moscou dans les années 80, donc en une période encore très glaciale de l'Union soviétique. Elle a été une des rares françaises à aller là-bas parce qu'elle voulait, ce qu'elle dit elle-même, je voulais percer le mystère du son russe, ce fameux son russe du violoncelle. Et donc elle se forme auprès de Natalia Chakavskaya, qui est devenue plus qu'un mentor, qui est devenue presque de la famille pour elle. Et c'est vrai qu'elle est très à part dans sa façon de jouer le violoncelle, Sonia Wieder-Atherton, parce que dès qu'elle commence à jouer, elle vous raconte une histoire. Qu'elle fasse du Bach, qu'elle fasse du Nina Simone, qu'elle fasse du Shostakovich, ce qu'elle va nous présenter sur scène avec ce spectacle, elle nous raconte une histoire. Et c'est pendant cette période des années 80, elle avait tenu son jardin secret, ses carnets intimes pour dévoiler son jardin secret. Et elle les a retrouvés pendant le confinement et les a confiés au réalisateur et plasticien Clément Cogitor, dont vous avez peut-être vu le film Goutte d'or, qui est aussi metteur en scène, et qui a été très impressionné par la force imagée qui s'échappait cette parole, de cette phrase. Et il a souhaité mettre en image
ces sensations tirées de ce texte intime de Sonia Vider-Atherton. Et Sonia a été emballée par le projet. Elle a un rapport extrêmement fort avec le cinéma. Elle a été la compagne pendant très longtemps de Chantal Akerman. Et elle aime ces spectacles hybrides. Donc elle sera seule sur scène. Il y aura un écran géant derrière elle, et Clément Cogitor, qui souhaitait au départ tourner des images en Russie à cause des événements, ne peut pas, mais va plonger dans des steppes d'Asie centrale qui le fascinent, dans des images de Moscou. Donc c'est vraiment un voyage musical, vidéo, d'1h05, un continuum auquel on vous convie. Je pense que ce sera un voyage de toute beauté. Voilà, et un peu dans le... pas vraiment dans le prolongement, mais en même temps, ce qu'il y a quand même à voir dans la forme, c'est le prochain travail de Christophe Honoré, qui est à la fois un artiste du plateau et un artiste du cinéma. Et on va accueillir sa prochaine création, qui va s'intituler Les Doyens, et c'est pour un public à partir de 10 ans. Tout à fait, Christophe Honoré est d'abord cinéaste avant d'embrasser son amour pour le théâtre, mais surtout, il s'attache toujours à défendre l'art adressé aux enfants. C'est exactement ce qu'on va retrouver dans sa nouvelle création, sa toute dernière création, Les Doyens. Alors, dans Les Doyens, on aura deux personnages sur scène, deux hommes au ton paternaliste, et un autre personnage, pas tout à fait sur scène, mais pas tout à fait dans le public non plus, qui va être un petit peu le lanceur d'alerte, le lanceur de révolte, celui qui va essayer de réveiller un petit peu le public, et plus particulièrement les enfants, puisque nos deux personnages sur scène vont donner des leçons de vie aux enfants en général, et plus particulièrement aux enfants présents dans le public. Donc voilà, on va avoir un petit peu cet effet de révolte. Sur scène, au niveau de la scénographie, on aura quelque chose d'assez simple, mais en même temps de très impressionnant. Un amphithéâtre assez imposant, qui fera évidemment écho à ce ton très moralisateur et très paternaliste de nos deux personnages sur scène. En tout cas, un spectacle pour enfants qui va évidemment remettre en cause le discours des adultes. Après les vacances de Pâques et le pont de l'Ascension, le 15 mai, nous reprendrons le chemin du théâtre avec une pièce très originale entre dessin, danse et théâtre. Elle s'intitule Le Petit Garde-Rouge. Le Petit Garde-Rouge, c'est l'adaptation d'un album jeunesse qui a été fait par Chen Jianghong. Donc l'album s'intitulait Mao et moi, et en fait c'est un album autobiographique sur la vie de Chen, parce que lui est né en Chine, où il y avait déjà Mao qui était au pouvoir à ce moment-là. Et Chen, en étant enfant, a vécu tous les bouleversements liés à la révolution culturelle. Donc ce spectacle parle de ça. Au plateau, on va retrouver un comédien qui incarne Chen. Il y a également deux danseuses qui incarnent ses sœurs. Et donc, on va suivre un peu cette fresque historique à travers l'histoire familiale et à travers les yeux de cet enfant. Sur les images, vous pouvez voir qu'il y a aussi d'autres choses qui se passent sur scène. Chen est également présent. Et en fait, il est installé derrière une table avec des grands rouleaux de papier blanc comme ça. Et lui illustre l'histoire au fur et à mesure qu'elle est racontée. Il travaille avec de l'encre et ses dessins sont projetés sur deux écrans qui sont présents sur la scène. Ce qui est aussi assez intéressant dans le spectacle, c'est que la bande-son est hyper vivante, elle nous plonge vraiment dans les bruits du quotidien de cette famille, et puis elle est agrémentée aussi de bruitages en direct. En fait, il y a une personne qui est derrière un des écrans et qui fait les bruitages en direct. Donc pour moi, je trouve que ça ajoute vraiment à la dimension vivante du spectacle. Donc effectivement, ça mêle théâtre, art plastique, danse, travail du son. C'est un spectacle qui est très émouvant et qui nous permet de découvrir effectivement une partie de l'histoire chinoise au travers de cette histoire familiale. Voilà, et on arrive vers les derniers spectacles de la saison et nous allons accueillir
un autre spectacle de Milroy. On avait accueilli Antigone en Amazonie en première française à la fin de la saison 22-23. Ce spectacle a ensuite été présenté dans le Hind du Festival d'Avignon, qui a connu ce spectacle a connu plutôt un beau succès. Et pour clôturer cette saison théâtrale du Tandem, nous avons le plaisir d'accueillir en première française Les Enfants de Médée, le prochain opus donc de Milroy Hao. Milroy Hao, on vous le présente chaque année comme le chef de file du théâtre documentaire. Alors, soyez rassurés, il n'a pas été détrôné. C'est toujours le chef de file du théâtre documentaire, c'est-à-dire un théâtre dans lequel on va sur le plateau retrouver des comédiens et des comédiennes professionnels, mais également des comédiens et des comédiennes amateurs, des allers-retours entre des images projetées, du jeu sur le plateau, des images également tournées en direct, donc dans l'idée de proposer sur le plateau voilà, une expérience la plus réaliste possible. Pour cette nouvelle création, donc, qui est toujours en cours de création, le spectacle n'a pas encore été joué, on l'accueillera pour la première fois en France ici. Il s'est intéressé donc, à une tragédie moderne, un fait divers particulièrement terrible, puisqu'il s'agit donc, d'une femme qui, après une déception pardon, amoureuse très importante, va décider de tuer ses propres enfants avant elle-même de se suicider, mais va survivre à ce suicide. Pour prendre un petit peu de recul par rapport à ce drame moderne, il va mettre cette tragédie en regard d'une tragédie classique, alors qui n'est pas beaucoup plus joyeuse, puisqu'il va reprendre effectivement voilà, le mythe de Médée, on a dit qu'on en parlerait plusieurs fois ce soir, donc de Médée d'Euripide, pour raconter rapidement voilà, ce que va traverser Médée dans cette pièce. Elle va être celle qui va permettre à Jason d'obtenir la toison d'or, mais pour ceci, elle provoque la mort de son propre père et de son demi-frère. Ensuite, elle provoque la mort de Pélias pour que Jason puisse récupérer son trône. Finalement, elles sont exilées à Corinthe. Bon, arrivés à Corinthe, ils vont avoir un petit moment, on va dire, d'accalmie qui va leur permettre de donner naissance à, enfin, qui va permettre à Médée de donner naissance à deux garçons. Mais finalement, Jason va tomber amoureux de la fille du roi de Corinthe. Donc, le roi, c'est Créon, sa fille, c'est Créuse. Et comme Créon n'a pas de descendants, il va proposer à Jason d'épouser Créuse. Médée, trahi, blessé, pour se venger, va assassiner Créon, Créuse et ses propres enfants avant de s'enfuir. Voilà, donc c'est quand même pas effectivement un sujet très léger, mais ce qui intéresse... Oui, bon, c'est pas un sujet très léger. Mais ce qui intéresse Milroy Hao ici, puisque donc on a des enfants dans ces deux tragédies qui sont les victimes de la violence des adultes, et donc ce qui va l'intéresser, c'est de proposer dans ce spectacle à des enfants de donner voilà leur regard, leur retour, voilà leur commentaire entre guillemets sur ces deux tragédies. Et puis ça va permettre aussi d'aller vers d'autres cas dans lesquels les enfants sont les victimes de situations dont ils ne sont pas à l'origine, mais ce sont les adultes ou leurs parents qui le sont, par exemple en cas de divorce, en cas de déménagement, quand on doit changer d'école, que l'on doit se faire de nouveaux amis, etc. Donc des thématiques voilà, qui ne sont pas forcément joyeuses pour les enfants, mais en tout cas un tout petit peu plus légères. Et puis c'est vrai qu'on avait accueilli donc Antigone en Amazonie la saison dernière, un spectacle vraiment puissant. La saison précédente, c'était Grief and Beauty qui était extrêmement émouvant. Donc voilà, nul doute qu'on ne se ressortira pas voilà, indifférent de ce spectacle. Et on est très content d'accueillir à nouveau Milroy Hao parce que ces spectacles sont quand même souvent époustouflants. Voilà, et donc on aura ensuite, après ce spectacle, c'est vrai, hein, plutôt sur une thématique importante mais grave. Ce sera notre dernier rendez-vous musical de la saison avec un concert qui réunit 6 musiciens, 2 chanteuses et 1 chanteur dans une très très belle complicité musicale. Et cela s'intitule Violeta Parra y el Jazz. Violeta Parra et le jazz. Alors,
Alors là, c'était un extrait du concert, tout simplement, donc autour de la figure de Violetta Parra, qui est une grande figure féminine, qui est née en 1917 et morte en 1967. Elle est née au Chili, et Violetta Parra, c'est la grande figure de la chanson chilienne. Et comme Béla Bartók, et comme d'autres déjà évoqués pendant cette soirée, elle va s'intéresser dès les années 30-40 à toutes les musiques traditionnelles des différents peuples et différentes communautés qui vivent au Chili. Elle va faire tout un travail de récoltage extrêmement minutieux. Elle va l'intégrer dans ses chansons, ce qui va considérablement révolutionner la forme de la chanson sud-américaine et chilienne. Elle va contribuer avec ses tournées dans l'Europe entière et en Amérique du Nord à faire connaître toute cette culture chilienne des différentes communautés. Elle est extrêmement engagée politiquement. Et Emiliano González Toro, que vous voyez ici, est suisse. Mais vous vous en doutez peut-être, il est né de parents chiliens qui ont fui la dictature et se sont réfugiés en Suisse. Donc il a une quarantaine d'années et a toujours été bercé par la chanson de Violetta Parra. Et il a voulu lui rendre hommage avec cette belle voix de ténor, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Emiliano González Toro, en fait, il est très connu dans le milieu plutôt baroque, parce que c'est un très grand ténor, il fait beaucoup d'opéras. Il vient de faire un retour d'Ulysse de Monteverdi. Mais là, il a décidé de réunir vraiment des amis musiciens comme David Enko, Thomas Enko, que vous avez vu sur la vidéo, au piano, à la trompette, pour faire un bœuf, pour rendre hommage à la façon jazz et aux façons club. Alors malheureusement, on ne pourra pas fumer et boire des bières en même temps qu'on écoutera, mais c'est quand même l'atmosphère qu'il a voulu faire, donc c'est une très belle clôture de saison tout en gaieté. Voilà, et nous arrivons aux deux derniers spectacles de la saison. Et Marie, je vais te laisser nous les présenter. Le premier, c'est Dans le sens contraire au sens du vent, qui est une forme de cirque, à partir de 6 ans. Et puis, le dernier spectacle, ce sera la création de Sébastien Foucault, Wandering Srebrenica. Dans le sens contraire au sens du vent, c'est un spectacle qui a été écrit par Marion Collet, qui est fil de feriste et poétesse. Et elle s'est associée à Sylvain Levé, qui est un auteur de littérature jeunesse, pour voilà, cette forme qui est à la croisée du texte et du fil. C'est une belle découverte d'un agrès qui n'est pas si souvent représenté. Le fil de fer, il y a peu quand même de spectacles qui utilisent cet agrès. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est donc qu'il y a une vraie écriture poétique, mais également musicale. Il y a deux personnages qui sont mis en scène et... il y a un dialogue sur la vie qui naît voilà, de leur rencontre, une discussion sur la façon d'appréhender le monde actuel. Finalement, elle se pose la question de comment rester soi dans un monde qui va trop vite, comment retrouver le plaisir des sensations, comment aller aussi contre le mouvement de ce monde et de ses codes. C'est un spectacle qui est un hymne vraiment à la liberté, une ode à la joie d'être unique, aussi une, je dirais une impulsion à prendre des chemins de traverse et ne pas forcément voilà, suivre les courants principaux, un hommage à ceux qui osent dire non, en somme. C'est vraiment un moment de partage qui est nourri par des sensations de l'enfance et autour de la joie des mots et de la musique et du fil de fer. Pour les dates et les lieux, pareil que pour le spectacle Renversante, je vous invite à vous référer à notre site internet. Et pour terminer la saison, nous accueillons donc Wandering Srebrenica de Sébastien Foucault et de Julie Remacle. Sébastien Foucault, en fait, lui a commencé en tant que comédien, notamment auprès de Milo Rao. Et puis, la saison dernière, en fait, on a accueilli sa première pièce en tant que metteur en scène. Donc, lui est aussi dans le théâtre documentaire. Et là, donc, Wandering Srebrenica, c'est le deuxième volet de son cycle consacré à la Bosnie.
Le spectacle, c'est d'abord le témoignage de Djilé, qui est un homme bosniaque qui est rescapé du massacre de Srebrenica. À l'époque, en fait, il avait tout juste 18 ans, il a réussi à s'enfuir, et en fait, on va suivre son parcours. Il a erré pendant des mois dans les montagnes et les forêts de Bosnie, à la recherche en fait d'une brèche dans la ligne de front serbe pour s'enfuir de son pays. C'est l'aventure d'un jeune homme ordinaire, finalement, qui, malgré la violence des épreuves, ne renonce ni à l'altruisme, ni à son intégrité, ni à l'humour. Et en fait, il se révèle incapable de sauver sa peau au détriment de son âme. Pour incarner cette histoire assez incroyable, il y aura le comédien belge Bruno van den Broek, qui essaiera de s'approprier ce récit et qui nous fera part également de l'histoire amicale qui est née entre les deux hommes lors de la création de ce spectacle. Voilà, et c'est une coproduction du Tandem. Voilà, eh bien, nous avons parlé de tous les spectacles, nous avons évoqué chaque proposition. Il faudrait aussi parler du travail de médiation, de tout le travail d'action culturelle qui est mené, mais il faudrait consacrer pour cela un autre temps. En tout cas, est-ce important de rappeler que le Tandem multiplie les initiatives d'action culturelle pour sensibiliser le plus grand nombre, pour aussi susciter la curiosité par rapport aux œuvres et à la création contemporaine. Et ce travail de médiation au sein du Tandem est essentiel et il est porté par une équipe dynamique et engagée que je salue ce soir, qui est placée aussi sous la responsabilité de Reynild et aussi sur le travail de la communication, la médiation de Charlotte. Voilà, il y a aussi une équipe d'accueil donc, qui est sous la responsabilité de Pauline. Voilà, tout ça a pour objectif aussi d'ouvrir un maximum les portes et sensibiliser un public large sur les propositions. Voilà, je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes les informations, en tout cas la plupart des informations qu'on a données ce soir, sur le site du Tandem. Vous pourrez y faire également vos abonnements, vos réservations en ligne. Et je vous informe qu'une page vient de s'ouvrir qui est également à votre disposition où vous pouvez nous partager vos réactions, vos suggestions, qu'elles soient positives, négatives. En tout cas, ça nous intéresse d'avoir vos retours. Pour terminer, j'ai le plaisir de vous rappeler que toutes nos salles sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant, qu'elles sont équipées de boucles magnétiques qui peuvent être utiles pour nos spectateurs malentendants. Et par rapport aux démarches d'accessibilité, j'en profite pour remercier, saluer très chaleureusement deux entreprises partenaires qui soutiennent le Tandem depuis plusieurs saisons. Il s'agit d'Acuitis et d'Iris Optique. Deux derniers mémos, les samedis 16 et dimanche 17 septembre, ce sera les journées du patrimoine. Le théâtre d'Arras et l'hippodrome de Douai sont ouverts. Et si vous souhaitez participer à des visites particulières, c'est important de réserver soit auprès du Tandem le samedi matin et le dimanche matin, soit auprès de l'office de tourisme d'Arras. Voilà, et la deuxième et dernière information, sur les deux week-ends qui suivent les journées du patrimoine, nous vous proposons le spectacle Place Assise, qui est un spectacle qui se déroulera à l'extérieur, dans la rue, dans les quartiers de Douai et d'Arras, et c'est absolument gratuit. Voilà, je remercie les artistes, les relais, mes chers collègues sur ce plateau, Priscille Broda et David Lebry, qui ont assuré la traduction en langue des signes française, Jean-Marc pour la direction technique, Sébastien pour la régie générale, François-Xavier pour la vidéo, Dominique pour le son, Alexis pour la lumière et Alicia qui a préparé, vous allez le voir, un buffet avec beaucoup de soin et d'amour. Voilà, merci à toute l'équipe du Tandem. Les noms apparaissent sur cet écran bientôt. Ça, ce sont les partenaires. C'est passé déjà. Ok, merci. Et pour terminer, je tiens à adresser de vifs remerciements à tous nos partenaires, l'État via la DRAC des Hauts-de-France, le Conseil régional des Hauts-de-France, le Conseil départemental du Pas-de-Calais, le Conseil départemental du Nord. On a la chance d'avoir en partenariat deux départements. Et puis aussi deux villes, la municipalité d'Arras
et la municipalité de Douai. Monsieur le maire était présent tout à l'heure, je pense qu'il avait des obligations, je ne sais pas s'il est encore là, mais en tout cas, je le salue pour sa présence ce soir. Je salue également la présence d'Oriane Delbar, adjointe à la culture de Douai, Nathalie Appers, qui est maire adjointe, et puis Sébastien Lanclus, qui est conseiller municipal. Voilà, ça fait un petit peu plus de deux heures, pas beaucoup plus, un petit peu plus que nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour votre présence, votre patience, votre écoute et votre fidélité. Et il est temps maintenant de nous retrouver autour d'un verre sur ce plateau. Derrière nous, le rideau va se lever. Voilà, très belle saison à toutes et à tous. Et là, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Deux heures quatre. Si a la vida, deux heures quatre. Que me ha dado tanto, une belle performance. De un corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno. Tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros.